Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Ce genre de musique là, c'est à cause de nous, miskin. Le cousin il dit, y'a le babour, y'a mon amour. Kharajni min la misère. C'est à cause de nous. On habite dans des HLM, on fait le JR et Wind. Tu sais, quand on rentre au bled. Hein? On a pris notre réserve d'argent de chez Cofidis, on fait les bourgeois. Putain! Inch'Allah les Arabes, je me suis acheté une cuillère. Je me suis acheté une cuillère. Nous les Arabes, on est toujours dans l'excès. Hein? Un frère, il te demande l'heure. Tu l'as pas, tu lui dis, j'ai pas l'heure, smahni frère, mais Inch'Allah tu vas trouver. Putain de merde. Un simple appel, tu m'as compris. Kofi, bande de pute. Un jour, je vais chercher mon pote, il revenait de Miami. Et je vais à l'aéroport, sur la tête de ma grand-mère. Je vais à l'aéroport et tout. Et je vois quoi? Je vois, il y avait la queue pour une destination très prisée. Marrakech. J'arrive, je vois Hakenebi. On dirait un étal de marché. Au marché des maguettes. Tu verras, les clémentines, elles sont à côté du poulet. Ou des casse-dalles de Cheikh Hakim. Oh, un étalage de bebeux pour aller là-bas. Elles avaient toutes fait leurs UV avant. Chez Coquelicot, bande de putes. Tout ça, elles ont pris des crédits revolving pour aller faire les putes au Sheraton. On vous a vu. Parlons de ses frères aussi, qu'ils achètent des gros gamos. Mais quand il arrive au bled, il a déjà des cheveux blancs. Je vais la vendre comment en retour? Ah, on les connaît tous, là. Putain. Putain, putain. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, hein. On est parti pour un débat, les faux riches de l'été. Donc il faut absolument qu'on parle de ces gens-là. Après, on a le droit de profiter, on a le droit de dépenser, mais modestement, mesdames et messieurs, hein. Hein, tu habites à 12 boulevard Lénine, tu dors dans un lit superposé, dans un matelas où il y a de la pisse de bim, de la pisse d'âne, et tu descends un jour au Sheraton et tu... Non, ça peut plus durer, ça. Non, 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 non. Appelez-nous, donnez-nous votre avis. On est parti, numéro inconnu. Les nécrochus de Tel Aviv, je vous ai dit non. Putain. Ah, il y en a une qui me dit qu'elle bosse chez Cofidis. Appelle-nous. Appelle-nous, toi. Putain, appelle-nous, appelle-nous. Appelle-nous. L'autre, elle m'a dit, je travaille chez Cofidis. Appelle-nous, moi, j'ai un truc à te dire, moi. Attends. Ouais, mais vous vous rendez pas compte, les frères et les sœurs. Nous sommes responsables de tous les corps qui flottent en mer Méditerranée. C'est à cause de nous, ça. On leur fait croire monts et merveilles. Alors que, wallah, wesh, ils se sont passés le message, les numéros inconnus ou quoi, là? Bon, ça va. Allô? Allô? Ah, bah, Sam. Ouais, Sam. Ah, tu m'entends? Ouais, Sam. Voilà, bah, écoute. Alaykoum Salam, bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Alhamdoulilah, je t'écoute. Ah, y'a Kawed, tout le temps les premiers, je sais pas ce qu'ils ont. Wallah. Allô? Allô?
Bon, allez, zou. Allô? Mais vous vous êtes passé le mot, bande de fils de pute. Hein, je crois que c'est ça en fait. Allô? Wallah, ils se sont passés le mot. Incroyable. Alors attends, je vais couper. Moi j'appelle un inconnu. Non, Radia, inconnu, je ne réponds plus. Je ne réponds point. Pareil. Tu m'excuseras. Allô? Là. Allô? Ouais, Bassem. Ouais, crie pas, wesh, qu'est-ce qui t'arrive, Bassem. tu. Ouais, il est là, bah c'est moi. Ouais, ok, je suis de Paris 12e, 12e arrondissement. Je suis pas d'origine maghrébine, t'es. Ouais, je sais de quelle origine t'es, moi. Chez moi. Ok, je coupe quoi? Le retour ou mon téléphone? Eh ben, coupe déjà ton enregistrement pour le Mossad et les services secrets, déjà. Ah Hein? non, non, c'est pas parce Ferme que ta je gueule, t'appelle. et coupe ton message, là. Tu peux couper ton live. Hein? Déjà, là. Je sais que t'habites rue des C'est pas Rosiers. faire. Hein? Allez, Non, vas-y, non, explique-moi. non, 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 pas du tout, pas du tout. Je Mais vais faire un sois peu le de ma gueule. bienvenu à toi. Hein? Sois le bienvenu à toi. Hein? Allez, je t'écoute. Ok, je vais t'expliquer. Ben, nous aussi, de origine, quand il y avait les vacances, on partait dans notre pays. La voiture, la 504 de mon père, remplie avec, tu sais, la remorque qui va bien derrière. Et on arrivait dans mon petit patelin du sud de l'Italie. Et on faisait Ouais. plaisir. Donc, on a ça de point en commun, c'est que nous aussi, pour les vacances, ben, on se faisait plaisir. On faisait plaisir aux gens de la famille et puis surtout du village. C'est vrai? Donc, d'un côté, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, d'un autre côté, moi, adulte, quand je vais là-bas, j'ai envie de me faire aussi plaisir, faire des tours de Bien moto, sûr, bien sûr. de faire, voilà, du kiff, quoi. Alors, moi j'ai une question à te poser. Même en Italie, parce que l'Italie, c'est la communauté européenne quand même. Là, on parle carrément, on change de continent. Est-ce que tu penses que même en Italie, il y a des mecs qui vont dans les villages et qui se font voir et tout, non? Oui. Hein? Oui, tout à fait. Oui, tu as raison. Ah, oui. En Italie aussi, il Tu habites y a vers des quel plans. village en Italie? T'habites entre Haïfa et entre où et où? Mais non, mais pas, c'est pas parce que je m'intéresse que je suis d'origine Là, juive. je rigole. Même si tu es d'origine Ah ouais. juive, sois le Non, bienvenu. non, pas du Moi, tout. ceux que J'habite j'aime à Bastille, pas, mais comme je c'est les Woody Woodpecker sionistes. C'est ceux que j'aime pas. Autrement, même les frères juifs, ils Non, sont les mais moi, comme bienvenus. je t'ai dit, bah, ça, tu sais de quoi il faut se méfier à l'avenir, c'est les Chinois, ma gueule. Mais les Chinois de Qu'est-ce que t'en quoi? penses? Eh ben, moi, je vais dire mon Mais des ressenti Chinois? sur les. Bah, moi, je vais dire mon ressenti sur les Chinois. Les mecs, toute leur richesse, ils l'ont en travaillant. Il y en a, ils ont des richesses en les volant. Eux, ils travaillent. Tu veux faire comme eux? Travaille comme eux. Moi, les Chinois, ils me dérangent Non, pas. mais ça, je crois. Sont. Moi, Moi, les. je respecte. Voilà. Moi, je vais te donner un exemple. En Afrique du Nord, au Maghreb, il y a beaucoup de Chinois qui viennent pour faire des grands travaux. Posez-nous la question, pourquoi ils sont là? Parce que nous, on est des flemmards. Tu vas au bled, il y a une route qui se construit, il y a 20 bonhommes qui sont assis, et il n'y en a qu'un qui travaille. Et ils sont tous chefs d'équipe, et il n'y en a qu'un seul qui travaille. Les Chinois, ils ont compris, ils sont venus et ils bossent. Faut pas se méfier d'eux. On sait ce qu'ils font. Hein. Ils travaillent, juste. Enfin, moi, c'est mon avis. Je te dis la vérité. Il y en a beaucoup de gens qui commencent à dire, ouais, les Chinois ci, les Chinois ça. C'est clair que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais je te garantis que eux, ils travaillent. On n'a qu'à faire comme eux, non? Non? Ouais, mais bon, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais moi je respecte le travail, l'enrichissement par le travail. Et puis moi, qu'un mec que je gagne de l'argent, comme j'expliquais la dernière fois. Tu sais, il y en a un qui s'appelle Mourad Boudjelal. Il est président de Toulon. Oui, je Il connais, dit, ouais. moi je parle pas. Je connais pas, je parle pas anglais, je parle pas allemand, je parle pas chinois, mais moi, quand je viens acheter, tout le monde me comprend. Donc, je respecte ça, moi, si tu veux. Maintenant, comment t'expliquer? Je comprends que la justice Alors, s'enrichit, en train de rattraper le retard, oui. entre toi et moi, entre nous, on sait très bien que les Chinois excellent dans le textile, excellent
dans plusieurs points, mais n'excelleront jamais dans la technologie de pointe. Le savoir-faire européen, le savoir-faire allemand, le savoir-faire italien, le savoir-faire dans tout ce que tu veux, eux, c'est des gens. Ah, les voitures en Italie, hein. Attends, excuse-moi. Les voitures en Italie, excuse-moi. Les Chinois, c'est le grenier du monde, frère. C'est l'atelier du monde. C'est là-bas où tout le monde travaille pour tout le monde. Mais c'est pas eux qui ont les brevets. C'est pas eux qui ont le savoir-faire depuis un siècle. Non. Donc moi, je suis pas inquiet dessus, parce que je pense que. Écoute, moi, tu sais, tu viens à Paris. Tu sais, vous parlez des sionistes tout le temps, tout le temps. Je vais t'expliquer. Moi, j'habite à Bastille, d'accord. Il y a 4 arrondissements qui sont limitrophes de la place, d'accord. Il y a le quartier du Marais, où il y a le quartier juif, ok. Mmh. Et avant, il y avait le sentier qui partait de la place de la Bastille du quartier du Marais et qui allait jusqu'à boulevard Sébastopol. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, je connais très bien. Mmh. Et ils ont été déplacés à Porte d'Aubervilliers, d'accord. Donc maintenant, tout cet endroit qu'on appelle le sentier, c'est des Chinois. D'accord, les ateliers, les rideaux fermés, on ne sait pas d'où il vient. Non, mais je respecte le travail, tu vois. D'un autre côté, donc on dit Paris, c'est que des sionistes. Alors que je m'appelle Raphaël, j'habite à Bastille. Tout de suite, je suis un sioniste. Ou moi, je respecte tout le monde. Hein. C'est pas ça que je vais t'expliquer. Ce que je vais t'expliquer, c'est que Belleville avant c'était un quartier rebeu. Maintenant, c'est Chinatown 2. D'accord. À Vitry, c'était maintenant c'est Chinatown. Tous les bars tabac PMU, c'est Chinatown. Mais Raphaël, tu veux faire quoi? Ils sont dans leur droit. Non, mais... Ils veulent pas les boutiques, non, Raphaël. Mais... Peut-être que les Juifs, aujourd'hui, le textile, c'est bon. C'est plus leur tasse de thé. Ils sont passés à la taxe carbone, à plein de trucs, tu vois. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Mais le textile, je pense que si nos amis Juifs ont laissé tomber le textile, ils ont leur raison. Je pense qu'ils ont leur raison, hein. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire, Raphaël? Eux, c'est pas des Roms. C'est des gens qui arrivent, ils louent des locaux, ils travaillent après, ils font travailler les gens d'une manière dissimulée ou pas. Bon, je te dis, la vérité, ça nous regarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, administrativement, tant que la douane ne va pas dans leur magasin, eh ben, ils sont en règle, je pense, non? Ouais, bien sûr. Et je te donne aussi un autre exemple. Tu vois, la Formule 1, moi, j'adore, ok? Toute la Formule 1, la high technology, comme tu disais, le savoir-faire technologique, voilà, c'est en Angleterre, d'accord? Et Ferrari, cette année, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, maintenant, on va pas en Angleterre, c'est une écurie 100% italienne, on va leur faire voir ce qu'on est capable, et regarde cette année. Bon, ils ont morflé hein, depuis plusieurs années, je reconnais, ouais, écoute-moi bien, la mécanique italienne, on le sait tous que c'est une mécanique du tonnerre, mais très, très capricieuse. Faut la laisser monter en mule, en tour. Écoute, Alfa Romeo, HF Intégral, on en a conduit. Je peux te dire que Wallah, c'est très capricieux. Tu sais, comme mécanique, c'est, mais c'est la bonne mécanique. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est très capricieux. Voilà, en tout cas, les Italiens, écoute, il n'y a pas une personne dans le monde qui porte le costard comme vous le portez vous, hein. Chacun a ses atouts et ses inconvénients. Voilà. Mais pour en revenir sur les Chinois, bah écoute, voilà quoi. La preuve, ce qui est arrivé, on a vu aussi que dans le malheur, ça peut être une communauté soudée. T'es au courant qu'il y a l'affaire du Chinois là, qui a été tué. Malheureusement, il a été confondu, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Et on a vu, voilà, c'est une communauté qui fait pas de vagues. Hein. Tu les vois pas, tu te rends compte. Ouais, mais... Alors écoute-moi bien. Ouais, mais bah, ça me regarde, je vais te dire Afrique, une chose. Afrique, ouais, mais je vais te dire une chose et tu vas comprendre par rapport aux Chinois. Sur la tête de mon père, je connais un mec, il a grandi avec moi, il travaille à la morgue. Il travaille à la morgue depuis 15 piges. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai vu deux Chinois dans ma vie. Mais je lui dis, mais ils sont où les autres? Eh ben, ils les brûlent et ils se passent leurs pièces d'identité. La tête de ma mère, il m'a vu, j'ai vu que deux corps de Chinois sur des millions, sur des milliers de corps que j'ai pu voir. Il m'a dit, j'en ai vu que deux. C'est un truc de fou. C'est vrai. J'en ai entendu parler, je te reconnais. C'est vrai. Et par contre, juste, je voulais t'expliquer pour les bars tabac à Paris. Tu sais, quand tu veux ouvrir un bar tabac, tu dois faire une demande auprès de l'État. Il y a une enquête des RG. C'est pas n'importe qui peut ouvrir des bars tabac en France. C'est vrai, et surtout c'est vrai. À Paris. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu ouvres un bar tabac, tu as l'obligation d'avoir ton logement soit au-dessus, soit derrière. Exactement. D'accord. Donc tous les Chinois, ils sont en train. Enfin. J'ai pas la haine, mais je suis en train d'expliquer que, tu sais, j'ai été sur ton site pour, parce que moi, je suis
open, d'accord. Je suis pas une tête de mule, mais je suis pas aussi. Comment t'expliquer? Ça m'énerve parce que quand je suis abattu, je m'appelle à toi, ça sioniste, ça devait crochu. Donc, mais par contre, je suis hyper content que tu m'aies pris, que tu puisses m'exprimer, Bassem. Et moi, je t'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. J'aime ce que tu fais parce que tu te vénères. Et après, de temps en temps, tu dis ouais, comprends. Et puis là, comment tu évolues, ça fait plaisir, tu donnes une bonne image. Et comme je disais aux gens au début, ben voilà, et puis aujourd'hui, tu évolues et tu ouvres la voie. Et c'est très bien ce que tu fais pour ta communauté, Bassem. Bon, je reviens aux Chinois. Donc, les Chinois, je te dis, ils sont en train de et ils se font avancer par les siens, d'accord? Oui. Ils sont avancés. Eux, ils travaillent dur, hard. C'est hard, hein. De toute façon, attends, pas, hein. Attends, et Raphaël. Oui. Un bar tabac. Tu connais l'amplitude horaire. Tu connais le casse-tête chinois. Tu sais, c'est dur, un bar tabac, Raphaël. Il n'y a que qui tiennent. Oui, il n'y a que qui tiennent. Oui. Moi, oui. À l'époque, quand j'allais à celui de Vez, place de Paris, les gens, ils le connaissent. Wanma, ils mangeaient dedans, dans leur commerce. Ils sortaient pas, ils fermaient pas. Même... Après, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils travaillent, ils volent pas les gens. Donc, si on est oui. jaloux de leur réussite, autant faire la même. Moi, non, je suis pour le mec qui prend le meilleur chez tout le monde. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut déjouer une concurrence, il faut. Ouais, je sais, mais bon. Mais regarde, Bassem, tes baskets, ton jean, ton t-shirt, ton iPhone, ton ordi, les cellules photovoltaïques, toutes les pièces détachées, machin, tout ça, ça vient de Chine. Ils imposent, d'accord, à la communauté européenne, à toutes les communautés mondiales, même aux États-Unis, ma gueule. Maintenant, en Afrique, regarde, ils sont venus, ils ont investi où il y a les mines de nickel, de cobalt, d'argent, d'or. Sur les ports à eau profonde, sur les sites pétroliers. Mais parce que, Raphaël, parce que leur production intérieure ne suffit plus. Oui, ils sont obligés d'aller ailleurs parce qu'ils grandissent de jour en jour. L'empire du milieu, il se suffit plus à lui-même. C'est fini, ce temps-là. Oui, mais est-ce que tu ne te rends pas compte qu'ils vont acheter le monde, quoi? Mais si le monde, il est à vendre. Le monde, aujourd'hui, il est à vendre. Parce que c'est l'argent ouais. qui régit tout. Donc le monde aujourd'hui, il est à vendre. Ils sont dans le football. Ouais. Ils arrivent dans le football, ils arrachent tout. Ils proposent des salaires à 20 millions d'euros par an. Ils ont proposé à Cristiano Ronaldo 100 millions d'euros par an. Le bonhomme, il a dit, ouais. c'est trop. C'est injurieux. Et t'as, non. Et t'as vu les écoles qu'ils ont fait pour les petits jeunes joueurs là? Des batteries de petits jeunes joueurs. Ils veulent que dans les 20 prochaines années, ils se donnent les moyens. Je reconnais. Ils ont un objectif ouais. d'ici à 2050 de ramasser la Coupe du Monde. Bon. Oui. Oui. Mais attends, Bassem, je voulais terminer, enfin pas terminer, mais te parler d'un autre truc. D'accord? Maintenant, nous en Italie, bon, on a beaucoup de points communs. Enfin, comment t'expliquer? On aime nos familles, on aime beaucoup de choses. Ok, d'accord? Maintenant, comment t'expliquer? Bon, je sais pas comment t'expliquer. La Chine, je dis pas que c'est des bosseurs, mais nous on regarde à gauche et ils sont en train de prendre des endroits stratégiques à droite, d'accord? Et personne ne dit rien et on dit que Paris c'est une ville de Sodome et Gomorrhe, que c'est une ville de sionistes, alors que non, c'est la diversité, ma gueule, je te jure. Mais le problème, comme tu disais, Belleville, c'est un quartier rebeu maintenant, c'est un quartier chinois. Le Santé, c'était un quartier tenu par des feuilles. Maintenant, c'est des Chinois. Les bars tabac, les petits commerces, les restaurants. Je sais pas comment... Il y a même les frères Tang, mon pote. Tu connais les frères Tang? Alors, Raphaël, ils ont pris que les activités qu'on a délaissées, nous. C'est tout. Voilà. Ça me fait penser aux 30 Glorieuses. Quand certains Français voulaient pas reconstruire les routes, et ben on a été obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère, indigène, pour venir refaire les routes en France. Donc il faut pas se plaindre. Mais moi, c'est père, comme les gens, c'est comme les gens là qui sont au chômage, 3 millions de chômeurs. Bon, il y en a qui le veulent, RSA, USA. Et il y en a d'autres qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Mais comment ça se fait que tu expliques d'un côté qu'il y a autant de millions de chômeurs et de l'autre, il y a autant d'emplois non pourvus? C'est un paradoxe. Bah, c'est parce que... Oui, mais moi, je vais t'expliquer. Moi, mon père, il est venu, d'accord, dans les années 60, d'accord, immigré italien, il est venu travailler dans le bâtiment, d'accord. Donc, comment t'expliquer? Moi, je suis un fils d'immigré, d'accord. Donc, moi... comment t'expliquer? Il a travaillé dur, mon père. Tu sais, au début, tu parlais,
Oui, c'est vrai que De Gaulle, il a fait construire des grands bâtiments, parce qu'au début, moi, mon père, quand il arrivait à Paris, il dormait dans des bidonvilles. Ça existait dans les années 60, Bien renseigne-toi, sûr, bien d'accord? sûr. Maintenant, maintenant, les Portugais, les Arabes, les Espagnols, il y a eu plusieurs vagues migratoires, les Italiens, les Hongrois. Oui, mais Moi, tu peux dire que ton immigration d'Italie, l'Espagne, les Portugais, c'est une bonne immigration, ça reste tout européen. Donc on peut s'entendre, il n'y a pas de C'est toi qui choc le dis. de culture. Il n'y a pas de choc de culture. Ouais, mais. C'est D'accord, mais moi. ça reste une Europe judéo-chrétienne. Donc c'est vrai que on n'a pas, vous n'avez pas été autant victime de racisme que les Romains. Ah, bah, moi, on m'a appelé Voilà. sale À la mécène. rigueur, on vous appelait les macaronis, et encore. Ouais, mécène. Rital. Pendant jusqu'à là maintenant c'est enfin comment t'expliquer c'est la mode un peu moi j'en connais des restaurants chinois où ils sont appelés Giuseppe nana Pizza Momo enfin bref peu importe moi comme je disais c'est pas des vrais Pourquoi Italiens et Pizza puis leur façon Momo? ça parle Pizza Momo? Raconte-moi mais bah l'histoire de la pizza. ben il y a des pizzerias à Paris et même partout en France d'accord qui sont spécialités italiennes, spécialités machin. Et en fait, ce qui compte le plus dans un restaurant chinois, c'est pas le serveur, c'est du folklore, ça. C'est le pizzaïolo, le cuisinier, d'accord? Maintenant, comment Moi je connais des Luigi qui jurent Wallah. tu... Ah non, mais je te le dis, quoi, ouais, frérot, hein, je te le dis, tu vois. Je connais des Sofia qui s'inventent des origines voilà. italiennes, algériennes. On en connaît aussi un petit peu. Hein. Mais bon, en tout cas, les gens, ils ont beau vous critiquer, mais on dansera toujours sur votre musique. Sara perché ti amo! Putain de merde. Raphaël, Oui. merci d'avoir appelé, j'ai énormément de monde. On se dit à la prochaine, grand. Ok, en tout cas, merci Allez, d'avoir reçu mon aucun appel. problème, Et puis, salam. ouais, juste un dernier truc. Je voulais juste te dire un truc, d'accord? J'ai grandi à Paris avec un juif, un arabe, un portugais, un espagnol, un breton, et on sait tous. Je peux comprendre que le week-end, on a envie d'être dans nos communautés. Et on se sent bien que quand, avec ceux qui partagent nos traditions, nos goûts, nos valeurs. Mais moi, je veux prôner l'ouverture. Entre nous, il n'y avait pas de problème. Et je pense que quand tu te refermes, plus tu te refermes, comme j'expliquais, j'ai voyagé dans le monde entier. J'étais avec une ancienne hôtesse de l'air pendant 10 ans qui a demandé sa mutation par amour. Mais pendant quelques années, on a profité de voyages gratuits. Donc j'étais dans le monde entier. Ce que j'expliquais, il y a certains pays, tu mets ta main sur la table, tes bras, tu sais, en attendant de manger, c'est un manque de respect. Il y a certains pays, si tu mets tes mains en dessous de la table, c'est un manque de respect parce que tu as des choses à cacher. Il y a certains pays, tu rôtes, c'est une bonne marque de respect. Il y a certains pays, tu rôtes, Moi, tu manges Raphaël, ce que je tu veux. suis pour l'ouverture, mais l'ouverture Ah. de face. Pas l'ouverture de dos où faut donner son cul. Comprendras qui pourra. Prends son temps, on se dit à la prochaine, Ok. grand. Salam. Raphaël, voyons, voyons. Un peu de tenue. Allô, revenons sur le sujet. Allô. Allô? Allô, salam. Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va bien et toi? Oh, alhamdoulilah. Je t'écoute. C'était juste pour te dire que j'aime bien ce que tu fais. Merci frère. Et pour te passer un grand salam et bon courage pour ta radio, frère. Merci beaucoup mon frérot. En tout cas, ça fait plaisir. Prends soin de toi aussi. On se dit à la prochaine, Inch'Allah frérot. Même. Salam, salam. Je vais appeler un frère là qui me demandait à chaque fois chez. Donc attendez. Il est où le frérot là? Batterie 90%. Alors évidemment, j'appelle avec un faux numéro. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va frère? Qu'est-ce qu'il dit, mon frérot? Ah oui, c'est Hakim. Tu m'entends là? Ça va, Hakim? Bien, et toi, est-ce que tu m'entends aussi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça va frère? Écoute Alhamdoulilah, frère, voilà, je... t'as vu là? Ouais, ça va, écoute, wallah, frère, là, écoute là, je viens de rentrer du bled là. Franchement, je vais te dire quoi? Wallah, je suis dégoûté. Je vais te dire la vérité. Wallah, c'est un cri du cœur. Bon, je te dis quoi? Le bled, il est cher, il est trop. Wallah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout par rapport. Alors... Déjà, de quelle origine t'es, frérot? Frérot, je suis tunisien, tu T'es me connais, tunisien, donc tu Hakim. reviens du bled Ouais. et. Ouais, ok, d'accord. Je suis de soute, frère, t'as vu? Souahli. Ouais, voilà, t'as vu.
Écoute, voilà, je vais dire la vérité, frère. Le pays, il va dans le mur totalement. Au vu de ma mère, tu sais quoi, je vais dire un truc. Les gens, ils galèrent, ils vivent au jour le jour maintenant. Sur la tête de ma mère, c'est un truc de malade. Et franchement, j'ai vu, franchement, j'ai passé 9 jours là-bas, j'ai pété les plombs. Je vais dire la vérité. Sur la tête de ma mère, ce pays, il... C'est quoi ça? Alors attends, attends. Attends, frérot, attends. Connecté à un iPhone de basme. Ouais, allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, vas-y. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon là? Ouais, vas-y, c'est bon. Écoute, En tout frère. cas, oh, Hakim, Ouais. moi j'ai un truc à te dire. Wallah, frérot. Un jour, je regardais un peu sur Internet la Tunisie et tout. Tu sais qu'il y a une vague là qui commence à dire qu'avant, avec Ben Ali, c'était mieux. Frère, le pays, c'est pas ça le problème en vérité. Je vais te dire pourquoi. Le pays, il a mal été préparé, tu vois. Frère, avec Ben Ali, il faut regarder le contexte. Je vais te dire pourquoi. Le contexte, c'était, on était dans une prospérité économique. Le monde, il allait bien, tu vois. Le monde, il allait bien. Tous les pays, ils étaient en croissance économique. Là, depuis 2008, ils sont dans une crise, mon frère. Je vais te dire la vérité, c'est quoi? Le pays, il a mal été géré depuis 60 ans. Depuis Bourguiba, on nous a installé des... Allô? Je t'écoute, frère. Tu m'entends? Oui, Ouais, oui, oui. je t'écoute. Écoute, le pays, depuis 60 ans, on nous a mis un Bourguiba et on nous a mis Ben Ali. Mon frère, ces gens-là, ils ont vendu le pays. C'est simple, ils ont vendu le pays. Frère, les ressources naturelles, ils les ont pillées. Comment t'expliques que l'Algérie et la Libye, ils sont blindés de gaz et de pétrole et nous, on est en plein milieu, on n'a rien? Dis-moi. Mais parce que, frérot, excuse-moi, c'est les zones géographiques qui fait ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Vite, frère, écoute-moi, sur la tête de ma mère, qui a un vol. On a eu un vol de nos ressources naturelles. Frère, franchement, il y a une de ces mafias en Tunisie, tu pètes les plombs. Sur la tête de ma mère, que les gens, ils parlent même pas. Tu t'oses parler, vite ma mère, tu te fais liquider. Sur la tête de ma mère, je te jure, c'est un truc de fou. Le pays, il est tenu par des mafieux. C'est un truc de fou. Écoute, frère. Tu te rends compte qu'un euro, ça va être 3 dinars tunisiens. Deux dinars, On trois va dinars, rentrer en été, on va tout arracher, Zobi. Trois mon dinars, frère. frérot, ça triple. C'est un truc de fou. Mes frères, je vais te dire un truc, ça c'est pas bon, il faut pas penser pour nous, il faut penser aux gens de Mais là-bas, bien frère. sûr que c'est pas bon, frère. Tu crois quoi? Il faut penser aux gens de là-bas, tu vois, les prix de l'importation, ils sont en train de monter en flèche. Écoute, frère, écoute, là je vais te faire un récit autobiographique, mais il est représentatif de la réalité. Moi j'ai mon cousin, tu vois, il a un hanout de fruits et légumes. J'étais derrière, tu vois, on commençait à discuter, tatati, tatata, tu vois, il y a une dame, elle commence à remplir son caddie, tu vois. Même, non, son caddie, son petit sachet, tu vois, elle a mis 7 patates dedans. Mon frère, tu lui as dit, écoute, 2 dinars 800. La dame, elle est partie. J'ai regardé mon cousin. Je lui ai dit, Mohamed, je dis, elle signe nos semaines. Il m'a dit, frère, c'est ça, c'est les prix du pays. Il m'a dit, regarde les gens ce qu'ils vont remplir. Il dit, ma mère, les gens, ils remplissent 2, 3 tomates, frère. J'habite à Sousse, j'habite dans une région riche, frère. Sousse, c'est une des régions les plus riches. Frère, quoi, qu'est-ce? Là-bas, c'est la galère. Ils doivent dire quoi, là-bas, les gens? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils doivent dire, les gens? Ben moi j'entends des trucs de fou là-bas le Kef. Mais il y a une Mais chose, il y a frère, une chose frérot que je frère. comprends pas. T'es tunisien, je Ouais. suis tunisien aussi. Tu me Ouais. parles de vol de ressources, mais on n'a jamais eu de ressources frère nous. Si, bien sûr que si. Nos Ma... frères algériens ils nous donnent l'électricité gratuite frère. Écoute, eux, frère, eux, ils ont travaillé pour leur pays. Regarde les Marocains, regarde mon métis. Le Maroc, ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, mais le roi, il pose leur pays, il est en plein. Non, ne me Non, parle mais. pas de Mohamed VI, parle-moi de Hassan II, ne me parle pas d'un roi qui va se tailler en train de prendre une photo avec des rappeurs du sage de protocole de Sion. Non, frère, Mais parle-moi de frère, Hassan II. il faut dire Pour la moi, la vérité, royauté au frère. Écoute, Maroc, elle frère, il faut dire s'arrête la à vérité. Hassan Il faut II, dire la frère. vérité, leur pays, le bilan Rayahmou. économique, il est excellent au roi Mohamed VI. Écoute, tu disais, pourquoi je devrais parler de Marocains? Moi, j'avoue la vérité, frère. Moi, je te dis seulement la vérité. Je te dis comment c'est tout. Écoute, frère, écoute, je vais dire la vérité. J'ai toujours le prix de la viande, il est à plus de 22 dinars. Le kilo de viande. 22 Le kilo de dinars, viande, 11 il est à plus euros. de 22 dinars. 22 dinars, 22 putain. dinars. Sur la tête de ma mère, les gens, ils sont en panique totale. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est quoi? J'ai de la famille un peu modeste, tu vois, à 30 km de Sousse. Je suis allé avec eux, tu vois, t'as vu, j'ai passé le temps avec eux. Et le lendemain matin, je leur ai dit, écoutez, si vous allez travailler à Sousse, c'est moi qui vais poser. J'ai vu mon cousin, je lui ai dit, Yakirine,
tu manges quoi à midi? Parce qu'il n'avait pas de gamelle. Il m'a dit, ouais, mais je mange rien, c'est bon, tu vois. Je lui dis, comment ça, tu manges rien? Il travaille dans le bâtiment, le type, tu vois. Il travaille d'arrache-pied. Écoute, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, frère, il n'y a pas assez de légumes, il n'y a rien du tout à la maison, je préfère laisser ça pour les enfants. Je te jure, j'ai éclaté en sanglots dans ma voiture quand il est parti. Je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pété les plombs. Écoute encore, je vais te dire quoi? En Tunisie, pas de gouvernement. Le gouvernement, il fait rien du tout. Il s'en bat les reins. Je te jure qu'il s'en bat les reins. Là, le gouvernement qu'on a actuellement, il a tout net. Il fait rien du tout pour le peuple. Je te jure qu'il fait rien. Il fait rien. Dans le sud actuellement, là, dans le sud, Tataoui, Gabès, tout ça, il y a de la révolte. Les gens, ils n'en parlent pas, tu vois, les médias, ils n'en parlent pas là-bas. Mais quelle révolte? La révolte Facebook? Facebook qui a tué notre pays, frérot? Hein? Quand je vois toutes ces femmes à Tunis, quand. Moi, c'est pour ça que tu vois, la Tunisie, c'est mon pays, hein, le demter, hein, frérot. Hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai une haine. J'ai une haine contre certaines personnes là-bas. Wallah, frère. Frère, j'ai le même âge que toi, j'ai 30 ans, je vais te dire la vérité. J'ai plus de 70 voyages, au moins, même plus. Je rentre minimum deux fois par an, frère. Hakim, Esma'ni Mlir. Tu sais pourquoi j'ai la mort contre la Tunisie? Et tu sais pourquoi je maudis certaines femmes et certaines certains. Attends, j'ai pas fini, frère. Attends, j'ai pas fini et tu vas comprendre. Laisse-moi. Je vais te laisser parler, frérot, inquiète-toi pas. J'ai préparé un argumentaire, frère. Ah, frérot, je vais te laisser parler. T'inquiète pas, Wallah Alim. Moi, je finis avec ça. Je finis avec ça. Parce que la Tunisie, si on prend les trois pays du Maghreb et rager les Arabes, j'en ai rien à foutre. En Tunisie, on a des grands cerveaux. Le Tunisien est très intelligent. Très cultivé. Bien sûr, le Tunisien est. Pourquoi on arrive à cette anarchie-là, frérot? C'est brouillard, machallah, franchement. Quoique même les autres pays, ils sont très cultivés, mais. Moi, tu m'étonnes, je te dis la vérité, ils servent beaucoup de choses. Et vu de manière beaucoup, beaucoup plus que nous, les beurs de France, je te jure, ils touchent à tout, mécanique, peinture, écolage, tout. Et ils sont pas cons. Je veux dire avec moi. Je te jure, le pays, il va. C'est un truc de fou. Je te dis quoi? Franchement, tu vois les fonctionnaires qu'il y a, c'est un truc de malade. Punissaire, il y a plus de 10 000 employés, il n'y a même pas une club de 100 avions. Je te jure, mais c'est quoi ce délire? Les gens, il y a des emplois fictifs. Beaucoup de gens, ils travaillent 15 minutes par jour, ils touchent 1 200 dinars. Ils viennent, ils pointent et ils dégagent. Et c'est pas le seul. Il y en a un paquet, des gens comme ça, tu vois. Il y en a un paquet, carrément. C'est ce qu'ils font le gouvernement. Ils prennent des emprunts à la SNI pour payer les fonctionnaires, pour des gens qui voudraient. Hein. L'administration, elle est lente. Comment tu vas faire tes papiers? Tu mets 20 ans à les faire. Comment ça? Avec tous les nombres de fonctionnaires qu'il y a. C'est même pas la peine, arrête. Il y a autant de policiers. Franchement, le nombre 11 millions d'habitants pour le nombre de policiers qu'il y a en France, franchement... Non, mais attends, excuse-moi. Abdelaziz Ben, oui, je te le dis, cultivé pour rien. Et avis à tous les Arabes là, qui sont là, qui commencent à dire « Ouais, comment en Tunisien ?» C'est une généralité dont je parle. S'il vous plaît, les frères des aides Pinocchio, là, avec le NIF qui tape sur le mur. Ça va, vous êtes intelligents aussi. Vas-y, frérot. On parle de la masse, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je parle de la masse. Parce que sur les 11 millions, il n'y a pas que des gens mauvais, bien sûr. Il y a des gens qui sont très bien, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont très bien. Après, il faut aussi revenir sur un truc, frère, je vais dire la vérité. Hein. C'est que le peuple, la masse, elle est mauvaise, elle est corrompue. Je te dis la vérité. Les gens, ils sont mauvais. Écoute, j'ai été au mois d'avril, je suis revenu avant-hier. Tu sais, la Tunisie, maintenant, c'est pas comme la Tunisie en été. On nous enfume en été. Tu vas à la plage, tu vas en soirée, tu fais tes cafés, ta chicha, tu dis que c'est magnifique. Mais venez maintenant dans les temps durs, tu vois ce que je veux dire? Là où les gens, tu vois ce que je veux dire? Là où on n'est pas là, parce que nous, on ramène beaucoup de capitaux, nous, les étrangers. Faut dire ce qu'il y a. Tu vois, faut dire ce qu'il y a. Quand nous, on vient faire nos courses, on augmente la consommation. Hakim, je vais te dire une chose. Nous, la Tunisie, on n'a jamais été préparé à une révolution pareille. Comme mon père, il me dit, l'arabe yemchou ma'alahsa. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on marche avec le bâton. C'est malheureux, frérot.
Mais les Tunisiens, ils ont voulu dire, Zama, les Tunisiens, oui, révolution Facebook, révolution Nommi, oui, révolution Zubi. Regardez où on en est maintenant. On en est où maintenant? Mais frère, je vais te dire la vérité, tu vois... La tête de ma mère, attends, excuse-moi frérot, s'il n'y aurait pas eu les frères des Z qui seront venus en été, le pays, il crève de faim, frérot. Mais ça prouve que, alhamdoulilah, on n'a pas besoin du tourisme européen. Il faut dire ce qu'il est, les Algériens quand ils viennent, franchement respect à eux, ils font tourner toute l'économie. C'est pas comme les Français, tu vois, quand ils viennent, ils prennent leurs vacances à leur semaine à 300 euros tout compris, ils restent que dans l'hôtel, ils mangent tout ce qu'il y a. Les Algériens quand ils viennent à Sousse, je vais dire un truc, ils viennent dans les marchés, ils consomment. Ils viennent dans les restaurants, ils consomment partout. Ils viennent louer chez les gens, ils viennent dans les... Alhamdoulilah. Ils font tourner toute l'économie de Sousse, c'est un truc de malade les Algériens. Écoute, je veux te dire un truc aussi, la coke, elle est rentrée dans les mœurs là-bas. C'est même pas la bourgeoisie qui la tape, c'est le chat qui la tape, mon frère. J'ai vu des gens taper des lignes devant moi là-bas. Je te dis la vérité, la coke, elle tape, les gens, ils tapent la coke là-bas, normal. Ils tapent la coke normale sur la tête de ma mère. J'ai pété un câble, je te jure, j'ai pété un câble. Je dis, mais attends, mais je suis où là? Ils m'ont dit, mais normal, frouille, vas-y. Tapez ça en Europe et tu veux me faire taper ça ici, je te jure. C'est un truc de fou, une jeunesse désœuvrée, occidentalisée, je te jure, c'est un truc de fou. Les parents, ils tolèrent ça. Bassem, tu vas péter un câble. Tu sais qu'il y a des gens, normal, qui voient leur fille sortir avec des gars. Normal, même sans... Mais frérot, tu veux que... Regarde, on est entre Tunisiens, toi et moi. Je vais te donner un exemple précis. Quand je mange chez mes parents pendant le mois du Ramadan, je m'amuse à regarder les Mousselsel. Tu vois leur série qu'ils aiment bien, bien là sûr. Maintenant, attends. Exactement. Attends, frérot, non, je finis. Frérot. C'est Warpool qui fait chaîne-là. Mais regarde ce qu'ils font pendant Ramadan, frère. Ils nous mettent des séries où ils parlent de puterie, frère. Ils parlent justement, j'allais y venir. Rahmbouk, laisse-moi parler. J'arrive. Voilà, j'ai regardé une Mousselsel 100% tunisienne. Une autre 100% algérienne, une autre 100% marocaine, je te le garantis, merde, on a du sujet à se faire. Parce que la tête de ma mère, quand tu regardes la série tunisienne, déjà d'entrée de jeu, dans le scénario, tu vois le kohib de la femme. Elle met à la main du mec, elle met... La même série en Algérie, c'est pas la même. Au Maroc, c'est pas la même. Il y a que chez nous, Tahan, que chez nous, la putain de leur mère. Il y a Erzouli Mchet, Erzouli Mchet, Paul Kroya, Erzouli Mchet. Bien sûr, oui. Oui. Oui, ma mère, les hommes, ils sont manipulés par leurs femmes. Comment tu trouves ça normal? Non, mais frère, écoute-moi bien. Le cliché, là, que la femme tunisienne, elle commande tout à la maison. Quand tu tombes sur une bonne Tunisienne qui sait tenir un foyer, Wallah, mais ben, son top. Moi, de temps en temps, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, j'ai une femme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, j'ai une femme en or, mais de temps en temps, elle me sort des trucs, c'est pas normal, tu vois. Ça, c'est dans le sens de la femme tunisienne, elle serait 60 ans. Bourguiba, il les a libérés. Leïla, elle les a finis. Leïla Ben Ali, elle les a finis. Je te jure, c'est un truc de malade. Toutes les femmes tunisiennes, elles ont une langue. Mon frère, elles te rabaissent. Fumha hakda. Fumha hakda. Regarde, je vais te raconter une histoire, frérot. Un jour, j'étais au marché. Ouais, la tête de ma mère, j'étais dans le bar où je suis. Le dimanche, j'étais au marché. Je vois... Et c'est là où une Marocaine ou une Algérienne, jamais elle aurait fait ça. Mais la femme tunisienne qui a fait ça, à la rigueur, ma'alish, je n'en veux pas parce que c'est rentré dans ses mœurs. Depuis que Bourguiba, il a enlevé la hijab à une femme, ça leur a dit écarter les cuisses. Ça leur a dit ça. Bref. Attends, Hakim, j'ai pas fini. Il y avait un mec, il était avec ses potes, les Tunisiens, là, Nahar Lahad. Ceux qui fument un paquet de clopes pour un café comme ça. Et dès qu'il arrive à la moitié, il te dit blaye, tu peux me le sarnir, Aïchek. Bref, il y a la femme de l'un d'eux qui arrive devant tous ses potes. Elle le regarde avec son chariot. Elle lui dit T'as vu devant tout le monde. Je voulais me lever, lui sortir mon paf. Oh, tu parles. Moi, je sais pas qui. Faut en vouloir au mec, une Algérienne, jamais elle aurait fait ça. Une Marocaine, jamais elle aurait fait ça. Écoute, les femmes, elles testent les hommes. Franchement, elle voit que sa réaction, il réagit pas. Elle accentue la pression, frère. C'est ça. Il faut bien que ça. Il ne remet pas à sa place.
T'es mort, elle te bouffe. C'est pas ça, c'est que frère, je vais t'expliquer une chose. La femme tunisienne, c'est une femme cultivée, propre et bien éduquée. Oui. C'est une femme, si t'arrives à tomber sur Bent El Halal, frérot, frérot, si t'arrives à tomber sur Bent El Halal, c'est d'excellentes femmes de maison. Et moi, si je dois me faire commander par une femme, je le ferai chez moi. Alhamdoulilah. C'est une femme en or, je te dis la vérité. De sûr. C'est tout. Mashallah, Alain. Mais de temps en temps, je te jure, c'est dans les gènes de la femme tunisienne, mon frère. Elles parlent, elles aiment parler, mon frère. Elles aiment mettre la pression à leur mari. Elles testent, tu vois ce que je veux dire? Continuellement comme ça. C'est dans leur gène, mon frère. 60 ans de boulot. Il y a Bourguiba et Leïla Ben Ali qui les ont finis, ces gens-là. Et moi, tu sais ce que j'ai remarqué? Oui. Chez les Tunisiennes, c'est que... Frérot, je sais pas ce que tu penses, il y en a beaucoup. Elles aiment plus leur mari que leur propre gosse. Mais attention, quand je dis ça, je dis pas elles délaissent les gosses, non. Elles ont un amour pour leur mari limite plus que les gosses. Wallahi, attention, je dis pas qu'elles délaissent. Non, je suis d'accord avec toi, j'en suis témoin. Wallahi, alhamdoulilah ya rabbi, tu vois, alhamdoulilah, Dieu m'a mis dans de très bonnes conditions, il m'a donné la meilleure des femmes. Oh là là, je suis très heureux, je te jure. Mais, frère, je te dis quoi? On va en revenir en général. Oh là, hein, le peuple, il est mauvais, mon frère. Le peuple, il est mauvais. Il faut dire la vérité. Pourquoi on est dans cette merde? Tu crois que Rambi, il va aider un peuple mauvais comme nous? Je te jure, ils pulvissent les gens-là. Même les gens qui font la salade, ils se corrompent, mon frère. T'entends des trucs de malade. Franchement, genre... J'ai passé 9 jours, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sur la tête de la mer, j'ai jamais vu. Des gens, ils sont éclatés de la tête. Ils font des trucs de fou pour de l'argent. C'est pas vraiment de là. Je te jure, frère, les gens... Il y a une chose que tu peux pas nous enlever. Frérot. C'est mal vu. Ouais. Frérot, il y a une chose que tu peux pas nous enlever, c'est que, hamdoulilah, en règle générale, le peuple tunisien est très poli. Bon, c'est vrai, quand je dis ça, moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? Mais bon, c'est vrai qu'en général, le peuple tunisien est très très poli. C'est un peuple très poli, c'est un peuple à la bien. Sauf que maintenant, moi, c'est mon pays. J'irai me faire enterrer dans le cimetière de Rbib, à Filgala Tesnen, Inch'Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi Al-Alamin, du côté droit. Tu sais? Et puis, ce que je veux dire, c'est que frère, Tahiatoun, c'est notre pays, on est en colère. Mais quand je vois là, tous ces manifestations, soit sur Facebook, j'ai envie. Frère, Wallah. J'ai un lien fort avec mon pays. Les enfants, ils rentrent tous les 2 mois là-bas, tu vois ce que je veux dire. Mais ils rentrent tous les deux. Oh Hakim, un jour, il y a ma cousine qui habite à Tunis. Zahma, elle est engagée. Elle m'appelle, elle me dit, Chinahouelek, Wallahi, Ritek fait la télévision, elle me dit, Belahi, tu veux pas parler pour notre collectif? Je lui dis, Esma'ni mliah, Qahbat al-Qahib, plus jamais tu m'appelles et tu parles comme ça avec moi. C'est ma petite cousine. Frère, je vois ces photos en train de manifester, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles y connaissent, ouais, elles? Ouais, bien sûr. Frérot, bref. Je vais te dire un truc, je traîne dans les groupes. Je traîne dans les groupes tunisiens. Je te jure, il y a une occidentale. Il y a l'occidentalisation du bled. Il est violent. J'ai jamais vu un truc. Wallahi l'adim, Hakim. En France, il y a des groupes tunisiens. Le plus gros groupe tunisien, il m'a banni depuis que je suis né. Parce que moi, quand j'arrive dans ce groupe de Tunisiens, je fais des petites vidéos, je parle aux Tunisiens, ils sont pas contents. Ils vont se dire, oh, lui, Bichiji, il va tout arracher. Donc, voilà, moi, tu te rends compte? Moi, est-ce que tu te rends compte que moi, plusieurs fois, on m'a dit, Bassem, t'es Tunisien, toi? On a cru que tu étais Algérien. Exactement. Mon frère, j'ai envie de pleurer. Exactement. Pas parce qu'on me prend pour un Algérien. Hamdoulilah, mes fils, ils sont Algériens. Mais l'image qu'on a. Vite ma mère. La chouma, frère. Bien sûr. Mais Mourad, Bassem, je vais dire la vérité. Les gens, ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés d'être anti-religieux. Ils sont décomplexés. Il y en a qui se disent normal. Moi, je suis pas musulman. Il y en a qui se disent normal. Moi, on me l'a sorti plusieurs fois. Normal, décomplexé, normal, tu vois. Mais je dis, mais tu te rends compte? Tu renies toute une histoire. Mais si je m'en bats les couilles, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça ma vie. Il dit, moi, je suis tunisien. Je dis, mais comment ça? Subhanallah, ces gens-là, ils sont en train de nous salir. Alors, s'il vous plaît, là, les gens qui sont en live, on parle entre Tunis.
Donc, on a le droit de parler de notre pays. On parle entre Tounes. Bien on est bien sûr. Clair. Nous, on parle pour... T'as rien, Tounes. Nous, on se cache pas, tu vois. Nous, on se cache pas. Et c'est que les gens qui rentrent dans les périodes charnières, en hiver, en printemps, tu vois. C'est là où tu vois la vraie Tunisie. L'été, c'est pas la vraie Tunisie, mon frère. Rentrez là et vous allez voir sur la tête de ma mère. Tu verras le vice des gens, la corruption qu'ils ont, tu vois. C'est un truc de fou. Vie de ma mère, je suis dégoûté sur la tête de ma mère. Tranquille, non, mais Ali, je t'ai fou, frère. Il n'y a pas que ça. T'as rien tout. Nous sommes un beau pays, machin, mais frère. T'as rien tout. Non, mais il faut dire ce qu'il y a, frère. Les vérités, il faut se les dire. Il faut se les dire. Il faut qu'on fasse autocritique. Pourquoi on est dans la merde? On a délaissé notre digne, mon frère. On a fait attends, Hakim. Oui. Allô? Allô? Reste avec nous, Pélo. Hein. Tu parles ici? Reste avec nous. Mehdi, hein. Ouais. Attends. Vas-y, frérot, je t'écoute. Pourquoi j'entendais une autre tête, là, à côté de moi? iPhone de Basme, déconnecté. Prêt à associer un appareil. On n'entend plus le frère là, hein. On n'entend plus, attends, je vais mettre le haut-parleur. Attends frérot, attends. Je sais pas ce qu'il a le frère là, il bug là. Hakim On n'entend pas, attends, j'arrive pas à te mettre sur haut-parleur. Attends, je te rappelle après frérot, attends. J'arrivais pas à mettre sur haut-parleur. Je vais rappeler après le frère Hakim. Mehdi, wa salam alaikum. Ouais, ça va, moi je pèle au bien. Ça va mes dingues, bien ou bien? Ça va. Bon, bien, bien. J'entends plein de choses là sur le débat, là, sur les faux riches de l'été, là, comme quoi c'est pas une bonne chose, etc. Parce qu'ils font miroiter une belle place en France, etc. Alors qu'en France, ils n'ont pas d'argent et tout. Non, moi je suis pas de cet avis-là. Moi je suis de l'avis où... Si des mecs ils sont prêts à s'endetter et prendre des crédits sur 3 ou 4 ans avec 10% d'intérêt, mais que cet argent-là ils l'utilisent dans notre pays, ils font tourner l'économie de notre pays, moi je suis content. Et s'ils font miroiter qu'il y a un bel avenir en France, non, c'est pas vrai. Oh, il faut pas croire que les gens en bled ils sont cons. Hein. Les gens en bled ils ont Internet comme nous, ils ont Facebook, ils ont Snapchat, ils ont tout. Ils savent très bien comment ça se passe en France. Ils savent très bien alors, la situation que vivent les Maghrébins en France. Ils ont Snap, ils ont Facebook. Moi j'ai remarqué, il y a des gens. Quand ils prennent une photo, Zama, quand ils sont posés, quand ils sont posés dans leur lit et tout, quand ils prennent en photo ce qu'ils mangent, tu verras jamais des produits à Lidl. Tu verras des Yop, tu verras du Chocobo, tu verras... Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai, tant que ça fait tourner l'économie dans nos bleds respectifs, mais, on en connaît tous, on vient tous de la street. Quand on rentre au bled, pousse-toi devant, frérot. Pousse-toi. C'est-à-dire, on a le droit de dépenser notre argent aussi. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est un peu chaud, frère. Moi, frère, je pense que les gens au bled, moi, je sais pas, après, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, moi, j'ai deux grands frères qui habitent en Algérie, ils vivent là-bas. Quand je leur parle et je leur dis, ils sont comment les gens au bled? Ils me disent, la plupart, bon, il y a des pauvres comme de partout, comme en France et tout. Ils me disent, la plupart, ils sont en place. Au bled, ils sont en place. Ils ont tous des terrains, ils ont tous des maisons, ils ont tous des petits hanouts en bas de leur maison. Ils sont en place. Et il y en a beaucoup d'Algériens. Les gens, ils le savent quand ils vont au bled. Moi, la première Golf 6R à l'époque, la première Golf 6R que j'ai vue dans ma vie, c'était en Algérie. Moi, personnellement, quand je vais au bled, je vois les gens, ils sont en place. Je vois des jeunes de 20 ans, ils tournent avec des gros bolides. Alors qu'en France, on se met à 4 ou 5 pour les louer un week-end à 1500 boules. Non, au bled, ils sont à eux, ils leur appartiennent. Moi, je vois les gens, ils sont en place au bled. Je vois les gens, ils ont de l'argent. Bien sûr qu'il y a des gens, ils manquent à manger comme de partout et tout. Bon, après, l'Algérie, c'est un peu un pays à part dans le Maghreb, parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de... Voilà, on est un pays riche, etc. Mais honnêtement, moi, je pense que c'est une bonne chose, moi, que les gens, ils font les riches au bled, etc. Alors, moi, je pense que on a tous fait les riches de l'été, les faux riches de l'été, quand on avait 20 piges, comme Nordang, Ferrara, le frère, il vient de dire, là... Il vient de si bien dire, oui, on a tous fait les riches. On est parti sur la plage, vas-y, envoie les jet skis, envoie les si. Oui, frérot, quand on est dans des zones touristiques, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres au bled, c'est comme si que moi, je rentrais fil kef dans mon bled où c'est Walnut Grove. Frère, tu vois des bottes de foin voler. Je rentre là-bas avec une grosse caisse, je leur fais envie à mes cousins. Et mes cousins, ils se disent quoi? Nick Zebbi, on va traverser la mer Méditerranée, nous aussi.
Ouais, mais ça, là, par contre, ouais, là, je suis d'accord sur la première partie de ton intervention quand tu dis je leur fais envie parce que moi, je viens avec du fric, je viens bien saper avec une belle vago, etc. Tu leur fais envie. Là, je suis d'accord. Et ça, on l'a tous vu au bled dans les yeux de nos cousins, de nos cousines. Tellement qu'on l'a vu, à la fin, on a fait des diarrhées, mais on a mal digéré les choses. Voilà. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est parce que tu dis, ouais, lui, il va traverser la mer Méditerranée. Ça, mon frère, moi, je pense. Honnêtement, ça, c'était il y a 15 ou 20 ans, où quand il y a eu un grand flux d'immigration, etc., tout le monde voulait venir à tout prix en France et tout. Maintenant, les gens, moi, quand je leur parle de la France, ils me disent, ouais, certes, et tout, machin, ça leur donne envie, mais sans plus. Jamais la vie traversant la mer Méditerranée. Tu sais ce qui a fait tomber le masque, Mehdi? Internet. Depuis qu'Internet est arrivé au bled, voilà, ils ont vu Internet, que finalement, on n'était pas ils étaient pas si en retard que ça. Mais moi, ce que je veux dire, ce que j'ai envie de pointer du doigt, frérot, tu sais comment tu les rodaves? C'est quand t'arrives aux impôts, au mois de septembre, tu les vois, ils font la queue. Ah, chic, je peux payer en 6 mois parce que j'étais au bled et j'ai arraché tout. Moi, c'est eux qui m'énervent, qui me foutent. Ou bien, toute l'année, comment tu les remarques aussi? Toute l'année, moi, on en a tous au quartier comme ça. Moi, il s'appelle Sofiane. Toute l'année, tu lui dis, viens, on va manger au taco s'il mange pas. T'as une clope? Non, j'ai pas de clope. Il gratte des clopes toute l'année. Il va pas manger au tacos. Il est sapé comme un cochard. Et d'un coup, tu vois sur Facebook en été, comme quoi il indique sa présence à Casa et tu vois plein de photos de barjots, des jet skis. Tu vois des boîtes de nuit. Tu vois des sky, des machins. C'est comme ça aussi, on les voit. C'est les plus grandes pinces qui parlent souvent au bled le plus longtemps et qui se mettent bien au bled. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Non, ça, on le voit clairement. Après, ils ont de là. Bien sûr, non, mais de là à faire les pinces toute l'année, frère. Mais même nous, les Tunisiens, voilà, la première chose qu'on dit quand on rentre au bled, Bishna bet Kaaba, tu vois, je vais descendre une voiture. Ouais. Non, frère, c'est trop. Après, bien sûr, nous avons tous un côté vaniteux qui dit que on rentre au bled, on va pas rentrer non plus en Renault 5 essence. On va rentrer, voilà, tu comprends ce que je veux dire. R21, Nevada, turbo diesel, comme dans les louages au bled. La tête de mon père me dit, quand tu montes dans des louages, on est à 8, ça pue le snen, frérot. Le chauffeur, c'est tellement cher qu'il baisse même pas la vitre, juste pour sortir sa clope cristal et fumer comme ça, frérot. Wallah, c'est des Nevada à 830 000 bornes. Non, frérot, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Moi, je pense qu'il faut faire... Tu me fais penser à un truc, là. Tu me fais penser à ça, là. Je vais te le dire honnêtement. Moi, j'ai un très bon pote à moi, qui a un grand frère qui habite à Sitif. Et ce grand frère, il s'appelle Biche, là. Et ben, ce pélo-là, il fait souvent des allers-retours entre la France et l'Algérie parce que, voilà, il vient voir sa famille, il fait 2-3 commerces et tout, le téléphone et tout. Et ben, frère, quand je parle avec lui, quand je parle avec mon grand frère, quand je parle avec toutes les personnes qui habitent au bled, on parle pas de nous. Nous, on est au bled, ils nous appellent les migrés, t'as vu, on est des touristes, tu vois, on est rien du tout, tu vois, on n'est pas véritablement des vrais Algériens. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu m'entends? Très bien. Ouais, nous, on n'est pas des vrais Algériens, dans le sens où, même si j'ai le passeport, j'ai la carte consulaire et tout, quand je vais là-bas, ils me regardent de travers. Et je suis pas un pélo de là-bas. Et ben, moi, quand je parle avec les pélos de là-bas, ceux qui vivent au quotidien toute l'année, c'est leur lieu d'habitation habituel, quotidien. Et ben, quand je parle avec eux, mon frère, et ben, moi, je me rends compte qu'en fait, non, eux, ils sont mieux que moi. Je le vois sur leur visage. Ils ont l'air plus apaisés. Ils ont l'air d'avoir moins de soucis. Non, ils ont l'air d'avoir La France, ça fait plus bander depuis qu'Internet est arrivé au bled, frère. Ouais, depuis qu'Internet est arrivé, mon frère. Parce qu'avec Internet, ils se sont rendus compte qu'en France, la tête de la mer, on finissait pas les fins de mois. Comme eux, peut-être, voire plus, que nous, la tête de la mer, peut-être qu'on avait une vie matérialiste, c'est-à-dire une vie où, en apparence, tout est bien, tout est clean, mais à l'intérieur, tout est pourri, c'est-à-dire on vit à crédit, quand on achète des meubles, c'est à crédit, quand on achète une voiture, c'est à crédit, tout est à crédit, quand on mange, il y en a même, ils vont faire leurs courses avec des cartes de crédit à Auchan, avec des cartes Sofinco. En parlant de Steve, big dédicace à tous les sétifiens de Lyon, je sais qu'il y en a énormément à Lyon, 19, 69, c'est le même combat. À Lyon, en Algérie, nous, on a qui nous met dit, on a des Tlemcenis, on en a, big dédicace à eux. Ouais, des Oranais. Des Oranais, c'est plus à Marseille, frérot. Ils sont plus à Marseille. À Lyon, on a beaucoup de Staifi et beaucoup de Tunisiens. On en a beaucoup, les Tunards de Saint-Priest, de Vénissieux. Surtout, attention, là, on va... les Guélas, il y a beaucoup de Guélas à Lyon. On sait où ils sont, on les reconnaît comment? Parce qu'ils ont des R21, Nevada, TD. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. C'est vrai ou pas? Et pour ceux qui ont plus d'argent, ils ont des DX. DX, alhamdoulilah, voilà. Dédicace. Bon, bah impeccable. Mais dis, est-ce que tu vas rentrer au bled? Enfin bref.
Moi, écoute, là, je vais pas rentrer au bled parce que moi, je travaille. Je viens de commencer un travail il y a 3 mois là, en janvier. Donc, pour l'instant, pendant 1 an, j'ai pas le droit à des vacances. Mais bien sûr que je vais rentrer au bled pour aller voir mon grand frère, pour aller voir ma grand-mère et tout. Moi, j'ai tous mes frères qui vivent au bled. Et honnêtement, moi, il y en a beaucoup. J'entends, pour rebondir sur un truc là, quand il y en a, on parlait de la France, tu l'aimes, ou je sais pas quoi là, quand on parlait de la Hijra et tout. Moi, je dis à tous les gens là qui crachent sur la France à longueur de journée, oh, la tête de ma mère, il tiendrait même pas 3 mois au bled. 3 mois, il tiendrait pas. Quand je vois mon frère, il me raconte comment c'est au bled dans la réalité des choses, au quotidien, etc. Il y en a beaucoup, crois-moi, que leur petit privilège en tant que Français leur manquerait c'est beaucoup. C'est vrai, les Constantinois, il y en a beaucoup aussi à Lyon. Mostaghadem aussi. Les Constantinois, si, ouais, si. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ils sont plus vers... La place du pont vers... Ouais, ils sont là. Toi, tu vas rentrer, toi, au bled ou pas, cette année? Écoute, si le juge me dit que je peux... Ah bouger, non, bah non. Je bouge, moi. Ouais, j'avais oublié. Franchement, si je peux bouger, bien sûr que je vais bouger au moins une semaine. Hein. Bien sûr, mon frère, c'est important de faire tourner l'économie de notre pays. Hein. Et en plus de tout ça, c'est important aussi. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient de donner un peu d'argent dans son village, t'as vu, de donner un peu d'argent à sa famille, à son oncle, à sa tante, d'envoyer un petit Western Union de temps en temps, t'as vu. Et ça, tu l'enlèveras jamais au frère Black. Quand ils vont au bled, ils y vont pour... Oh, j'ai vu un reportage sur certains Sénégalais, mon frère, il y a des villes entières qui sont financées en Western Union. Tout part de Paris, par la communauté qui est là. Tout part de Paname, frère. Oui. Western Union, c'est vrai. Bah, attention. Attends, tu rigoles, mais les Tunisiens aussi. Hein. Moi, je trouve que les Tunisiens, on dit souvent c'est des pinces, etc. Mais les Tunisiens ramènent beaucoup de choses hein, dans qui leur pays. Dit que c'était des pinces. Les Tunisiens, ils sont... Moi, je suis pas une pince, non, mais... moi. Frère, tu sais, ouais, mais je te connais, mais tu sais très bien, la réputation de cliché type, c'est que les Tunisiens, c'est des pinces, les Algériens, c'est de la fierté, les Marocains, bah, voilà, tu vois. La sorcellerie. Tu vas pas commencer avec ça, stop ici, hein. Merde, quoi. Maghreb United. Non, mais voilà, merde. Quoi. Attends, voilà, non, Maghreb United, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y en a beaucoup qui interviennent dans leur pays, et moi, j'en vois très très peu qui parlent de l'Algérie, pour les Algériens, hein, qui interviennent dans des choses en Algérie, comme par exemple la construction d'une mosquée. Il y en a pour faire le bitume, puis on sait très bien qu'en Algérie, il y a beaucoup de corruption, etc., dans tous les pays du Maghreb même, et on sait très bien que nous-mêmes, on doit intervenir pour des choses. Notre famille, nos cousins, on les voit bien, ils pètent la dalle, en gros, ils pètent la dalle, c'est-à-dire ils leur manque des choses, par exemple, pour finir la toiture de leur maison. Eh ben, envoie-leur 2-3 000 euros, comme ça, ben, ils peuvent finir leur maison, mais ils sont contents, etc., tu vois. Maintenant, le Maghrébin, il préfère aller danser la Macarena au camping de Flot Bleu. C'est pédé, là. Non mais parlons aussi de ceux qui partent en vacances là et qui partent pas dans leur pays. Moi personnellement, je veux dire honnêtement, je suis jamais parti dans un autre pays comme la Thaïlande ou comme le Mexique. Il y en a, ils vont à Cuba, je sais pas où ils vont, dans des pays et tout. Moi, j'ai jamais été dans ces pays-là. Les seuls pays où j'ai été, c'est l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie une fois, le Sénégal une fois. Et c'est tout ce que j'ai fait. Personnellement, je compte pas partir dans des pays bizarres, t'as vu, comme la Thaïlande et tout, et je trouve que c'est vraiment pas bon pour nous, t'as vu, parce que c'est comme ça qu'on va perdre notre identité, tu vois. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, ma famille, on se dit à plus tard, Inch'Allah. À plus tard, Inch'Allah. Salam, Mehdi. Vas-y. Salam. Allô. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, quoi. Alhamdoulilah, bien et toi. On va regarder la fin du débat avec le pote. Allez, vas-y, je t'écoute, frérot. Ben, il y a plein de trucs à débattre, en vérité. Hein. Je vois... Là, je sens... C'est quoi le débat, là, par rapport au Smeto? Je sais que... Je sais que c'est pas la première fois que tu m'appelles. Je vois ton numéro qui s'affiche souvent. Hein, c'est ça ou pas? Parle-nous de ce que t'as envie, en vrai. De ce qui te tient à cœur, frérot. Ben, en vérité, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, là, je suis en train de parler. Le débat, là, il est assez intéressant par rapport au... Au fond riche de l'été. T'en penses quoi, finalement? Eh ben, moi, j'en pense, j'ai déjà donné mon point de vue, frère, je pense que... C'est très pervers comme débat. Si on prend d'un côté, on se dit quoi? Attends, merde, je travaille toute l'année. J'ai le droit de me faire plaisir en été quand je rentre dans mon bled. Déjà, ils rentrent dans leur bled, c'est déjà bien. Mais d'un autre côté, je me dis quoi? Je me dis, il y en a... qu'ils abusent. Il y en a, par exemple, quand tu rentres au bled, t'es en zone touristique, bien sûr que t'as le droit de flamber. Parce qu'il y a des touristes, parce que finalement, tu te fonds dans la masse touristique. Mais quand tu vas dans ton village, frérot, où il y a 2 merza, où il y a un petit hanout, où il y a... et t'arrives et tu flambes et tout. Voilà, là, tu donnes des mauvaises idées à tes cousins qui pensent que en France, tu vis toute l'année comme ça, alors que c'est faux. C'est très pervers. Au-delà de ça, c'est même pas ça. C'est déjà le type.
Tu vois, le type qui est bien habillé, on va dire, qui va au magasin, qui va dans les centres commerciaux, qui va à la plage et tout. Il a le droit, le mec, tu vois. T'es en vacances, tu arrives, tu vas à la plage. Là, c'est la même chose en Tunisie, c'est la même chose, ou si tu vas en Espagne. T'es d'accord avec moi? T'as le droit de faire la même chose. Moi, je vais louer un jet ski, je suis à la plage, je suis en Espagne, je suis en Tunisie, je suis au Maroc, je fais ça, tu vois. Après, le type qui est au village, il doit aussi se tenir par rapport à ses cousins, t'es d'accord, tu vois? Exactement. Un peu de respect envers les cousins, c'est plus ça, tu vois, comment? Exactement. Donc, le gars, t'arrives pas à habiller. Moi, en vérité, quand je vais, par exemple, chez moi, je suis au bled au Maroc, ils ont eu l'électricité à partir de 2005, on va dire, tu vois. Avant, c'était la bougie. Je vais pas arriver bien habillé, beau gosse ou je sais pas quoi, j'arrive normal. Et même quand je parle, j'invente pas des histoires. Je crois que c'est ça le pire, tu vois. Et c'est surtout ça. Mais c'est autant les mythos qui sont en France, autant ils sont aussi mythos au bled. C'est ça, mais c'est de la faute. Et c'est vrai qu'il y a de la faute aussi de nos parents aussi, parce que quand tu entends certains, quand t'entends certains parents, moi je l'ai entendu de mes oreilles. Wallahi l'azim, frérot. Déjà, le quand tu dis le tu vois comment, c'est un frère qui nous appelle du Nord, ça. Hein, c'est ça. Vrai ou faux? Ouais, ouais. Tu nous appelles du Nord. Le tu vois comment, il vient du Nord. Big dédicace aux gens du Nord. Nos parents, je vais te donner un exemple. J'ai un cousin, il est rentré à la mairie. Il est rentré, il balayait les rues à la mairie. Il n'y a pas de sous-métier, il est rentré dans l'équipe municipale. La tête de mon père, son père, quand il est rentré au bled, il est allé dire il est chef technique. Il a 30 employés en dessous de lui. Frérot, on parle de ramassage de feuilles. Ouais, bah c'est ça. C'est nos ça, parents c'est aussi ça. Jouent beaucoup de ça aussi. Même nous, hein. Même les types comme toi, même les types tu vois, qui ont 30 ans, 20 ans, la plupart ils font quoi? La plupart ils font quoi? Ils touchent combien la plupart des gens comme nous? On touche à 1 500 euros. 1 500 euros, à tout casser, frère. C'est tout. La réponse, elle est simple. Donc, le type qui est le cousin, il doit lui expliquer. Moi, quand je vais au bled, j'explique à mon cousin. Là, cette année, j'arrive, tu vois comment. Je pars un petit week-end là-bas, je me mets bien, je reviens. Mais quand je rentre au bled, je raconte la vérité. Je rentre, je travaille, tu vois comment. D'accord. Et toi, frérot, qu'est-ce que tu réponds à ce mec qui te dit, oh, frère, j'ai travaillé toute l'année, j'ai volé personne. Je peux rentrer au bled, m'éclater? Mais il a le droit. Ok. Il a le droit, en soi. En soi, il a le droit, tu vois. Après, ça dépend comment tu... Après, c'est plus l'éducation, tu vois, du type, tu vois, comment... C'est pas le... Allez, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est plus l'éducation. T'as un quartier touristique, tac. Hein? C'est plus l'éducation par rapport à toi. Bah ouais, ça, il faut bien se tenir, frère, tu vois. C'est pas le mytho, tu vois, comment... Après, t'as des limites, tu vois, comment... Si t'arrives en C63 MG, t'as 4, t'as compte... Après, t'as compris le débat, il est au-dessus de ses moyens, tu vois. Il vit au-dessus de ses moyens, le mec, tu vois, c'est même pas des vacances normales. Il y en a un, frérot, qui te dit... Pas, tu vois, je vais pas me dire je vais aller au bled, je vais commencer à m'endetter comme un fou, tu vois comment. Ouais, tu vois, tu vas normal, tu vis normalement. Je reviens sur la phrase que tu as dit, il y a un auditeur là qui te répond, qui te dit, attends, tu dis quand on rentre au bled, on est habillé en chemise bien, parce que tu crois qu'au bled, il marche pieds nus et tout. Comme l'a dit Mehdi avant, non, au bled, non, il y en a, ils nous achètent, ils nous revendent. Je te parle du village. On parle du village, ok, je d'accord. Je parle du village, au fond, à gauche, dans la montagne. Exactement. Les habitants, ils viennent d'avoir l'électricité. Exactement. Je te parle pas de la grande ville comme Casablanca. Mm-hmm. Casablanca, t'as tous les types de cités, ils vont à Casablanca, dans certains quartiers, ils vont tous avoir honte. Ils vont tous avoir honte d'être à Casablanca. Ils vont se faire choquer, ces mecs. Ils vont pas réussir à les types de là-bas. Je te parle pas des quartiers comme ça. Je te parle du village au bled. Tout le monde sait c'est quoi un village au bled, sauf qu'il connaît, sauf s'il vient d'une grande ville, là, normal, tu vois. Les types des grandes villes, maintenant, au Maroc ou en Tunisie, ils sont habillés normalement, tu peux faire comme eux. Ça, on sait que la diaspora, la diaspora marocaine, l'immigration marocaine, on sait qu'elle se joue, aller dans 3-4 pays. France, Belgique, Hollande et l'Espagne au pire des cas. Qui c'est pour toi? On est partout. Qui c'est dans chaque pays. Attends, frérot. Qui c'est pour toi en tant que Marocain? Je te parle de la masse. Qui c'est pour toi en tant que Marocain quand il descend au bled, cela joue le plus? C'est le Marocain hollandais? C'est le Marocain belge? C'est le français? Ah, c'est le français, frère. C'est le français. C'est le français. Moi, je suis pas de France. Mais la vérité, quand je me rappelle quand j'étais petit, là j'ai 30 ans, je me rappelle quand j'avais 15 ans, les premières teintures blondes,
c'était pas les Belges. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Moi, on m'a dit, les Marocains belges, ils tiennent la route, grave. Les Marocains en Hollande, ils sont un petit peu louches. C'est un peu comme les Turcs. Pas faux. Les Turcs français. Les Marocains français, c'est les plus scandaleux. C'est les plus scandaleux. Ouais. Après, il y a les Turcs, par exemple. C'est pareil pour les Turcs. Les Turcs français, généralement, tu vois, c'est des Turcs, ça va, bien. Les Turcs allemands, ils sont méchants bizarres. C'est des rockers, ils ont des croix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont rien à voir avec les Turcs en France. Donc moi, on m'a dit les Marocains hollandais, ils étaient un petit peu louches. Après, ça dépend des quartiers, tu vois comment. C'est comme en France, hein. Ça dépend des régions. Un Marocain de Paris, tu vois, t'as compris. Un Marocain, je sais pas où, de Roubaix, il est correct. Je parle de la masse, moi. Je parle de la masse. Hein. Je fais pas de cas par cas, frérot. Non, Mourad Benali après. Nous dit arrêtez de raconter de la merde. Ferme ta gueule, toi. Je parle avec un frère marocain. C'est pas un belge, lui, c'est un vrai marocain. Il parle de son pays. En quoi c'est de la merde? Non, mais lui, c'est un nationaliste marocain. Je le vois sur les murs. J'ai envie de lui péter ses dents. L'autre, dès que tu parles du Maroc, il est comme ça. Je parle avec un frère, là. La putain de tes os. Vas-y, la vérité, je vais dire un truc. Il y a des choses que j'aime bien chez toi. Et c'est le fait quand t'expliques aux gens, le fait de juger, c'est pas... Un jugement, c'est une condamnation. Tu vois, faut rappeler ça aux gens. Quand tu juges quelqu'un, tu le condamnes derrière. Ça veut dire que tu dis, t'as un trou du cul, tu vas être comme ça. Un avis sur un mec, c'est juste donner son avis. Tu critiques après, il peut te répondre. Mais c'est juste un état des lieux subjectif par rapport à ton avis à toi. C'est rien d'autre, tu vois. C'est pas un jugement, tu vois. Bon, très bien. En tout cas, mon frérot, merci de ton intervention. Je vais te laisser. Ouais, tranquille. On se dit à plus tard, Inch'Allah, prends soin de toi. Maroc, ouais. Allah, al-Watan, al-Malik. Aïe, 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 salam alaikum, frère. Ouais, ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum, salam, je t'écoute. Alors, déjà, je connais pas le thème de ce soir. D'accord, c'est marqué sur... Le statut. Je voulais parler des faux riches de l'été, mais si tu as un autre sujet à nous proposer, et pourquoi pas, je dirais. Excuse-moi. Hein excuse-moi, j'ai pas très bien entendu. Si t'as, quoi si t'as un autre. Thème ouais, si t'as, le thème, c'est les faux riches en été. Ah oui, d'accord. Très bien. Moi, oui. Bon, les faux riches, je ne sais pas trop quoi en dire. En tout cas, bon, moi, je m'appelle Asma, j'ai 27 ans, je viens de Paris. Voilà. Après, les faux riches, c'est-à-dire, par exemple, les mecs qui viennent flamber au bled. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que c'est pas forcément bon que ça soit pour nous, les gens de France, ou que ça soit pour les gens du bled. C'est-à-dire que, déjà, pour nous, en fait, c'est quoi? C'est que toute l'année, on mange des pâtes, on est là dans des HLM, et l'été, en fait, on va claquer toute l'oseille que t'as essayé d'économiser toute l'année. Et puis, pour au bled, je trouve que ça se fait pas, parce que c'est un peu du voyeurisme, en fait, c'est un peu du m'as-tu vu, de l'étalage. En gros, voilà. Pour moi, c'est leur foutre un petit peu la haine pour rien. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de leur vendre du rêve. En fait, voilà. On leur vend du rêve. On est là, on leur fait croire. Toute l'année, c'est beau, c'est tout rose, c'est tout ça. Alors qu'en fait, toute l'année, on vit, ça se trouve même pire que eux. Et en fait, on vient, on les fait rager. En fait, on les fait. Parce que tu penses que pour toi, il y en a, ils font rager délibérément leurs cousins. Délibérément, ça, peut-être pas forcément avec des mauvaises intentions, mais en tout cas pour montrer, regarde, moi j'ai réussi. Enfin, c'est plus par vanité, par fierté, un peu mal placé. C'est un peu pour montrer. Attends, excuse-moi. Tu vois, moi je réussis. Bon, attends, excuse-moi. Mourad Benali, Pintamams. Oui. Allez, lui il m'a pris la tête. Allez, monte dans le wagon, droit devant. Sale petit carbav. Vas-y, finis. Oui, et donc pour moi j'ai l'impression que c'est plus par rapport, en gros, montrer j'ai réussi, regarde ce que je suis devenue, c'est plus par fierté, quoi, pour montrer devant la famille, pour faire un peu genre, quoi, je pense. Je pense que c'est ça l'idée. Après, il y en a peut-être certains, c'est mal intentionné, c'est peut-être aussi pour les faire rager.
aussi. Après, ça dépend des familles, je pense. Hein. C'est pas, je sais pas. Mais voilà. Après, moi, je sais pas. Après, bon, le thème m'inspire pas et trop. Bah, écoute, moi, je voulais parler d'autre chose. Ouais. Alors moi, je voulais parler justement. Ben, tu vois, bon, parce que je sais que c'est ton thème un peu favori, les beurettes, voilà. Moi, personnellement, je suis contre et justement, je tiens à pousser un coup de gueule contre ceci. Qui, du coup, ben, c'est un peu comme les immigrés en France. En fait, on a quelques-uns qui font des conneries, ben, les Français, ils font pareil, ils mettent tous dans le même panier. Et ben, les beurettes, c'est pareil. Voilà. T'as deux, trois, voilà, c'est comme ça, enfin, deux, trois. Malheureusement, elles sont pas deux, trois, elles sont plus. Qui font des conneries et malheureusement ben nous toutes les filles maghrébines on est toutes assimilées à elles maintenant. J'ai l'impression que c'est ça et j'ai même déjà entendu ben, des frères dire enfin des frères voilà qui dire moi je me marierai pas avec une rebeu quitte à prendre une française convertie parce que les burettes laissent tomber, ils ont tellement peur en fait maintenant. Nos frères ils ont peur. Ils ont peur de nous. Mais ils ont peur parce que regarde ce qui arrive. Que... Regarde. En plus, moi. Ah, mais je suis tout en plus, d'accord avec toi. En plus, parce moi, que... j'aimerais bien un jour faire un débat sur comment ça se fait qu'on atteint un nombre vertigineux de maghrébines en couple, maghrébines toutes seules avec des gosses. Putain de merde. C'est un nouveau phénomène, ça. Oui. C'est une hémorragie. Il faut stopper l'hémorragie, là. Sur la tête de ma mère. Je suis d'accord. C'est trop en expansion. Après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a des filles, Mistina, elles ont toujours été bien, elles sont mariées, elles ont fait les choses correctement. Après, elles sont tombées sur un mec qui les a abandonnées, elles se retrouvent avec des enfants. Mais après, je ne parle pas de celles-là. Moi, je parle des autres qui sont là, qui sont, voilà, qui ont, comme il dit dans sa chanson, un cimetière d'embryons. À l'ancienne, la chanson, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est ça, en fait, c'est ces filles, elles s'amusent. Après, elles tombent enceintes, elles ont des gosses, elles savent même pas c'est qui le père. Elles sont là, puis elles essayent de faire passer ça comme c'est normal. Non, moi, je suis désolée, ce n'est pas normal. J'ai 27 ans, pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, une fille, elle a pas à sortir, elle a pas à aller se montrer, elle a pas à aller traîner, ce n'est pas un bonhomme, ce n'est pas un mec, déjà, ne serait-ce que par rapport à Dieu. Par rapport à tes parents, par rapport à ta famille, par rapport à tes frères, je sais pas. Pour moi, rien ne serait-ce déjà en premier Dieu, après ta famille, tes parents. Donc déjà, par rapport à tout ça, s'il vous plaît, les filles, au moins, préservez-vous, ne serait-ce que pensez à Dieu. Allez, si vous pensez pas à Dieu, pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Imaginez, dites-vous juste quoi, dites-vous juste, tiens, si mon père, il saurait ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il dirait? Mais voilà, qu'est-ce que tu... Alors, aujourd'hui, il faut voir les parents de ces beurrettes-là. Oui. Les parents de ces beurrettes-là, finalement, c'est leur grand-mère à ces beurrettes, c'est celle qui se mettait entre le père et la fille. C'est celle qui cachait déjà la puterie de sa fille. Et cette fille-là a eu un gosse. Imagine le truc. Moi, des fois, je roule en voiture, je vois des beubeux avec leur fille, elles chantent les mêmes musiques. La tête de ma mère. Ouais. Où il y a des phrases bizarres à l'intérieur. La tête de ma mère. Mais oui, mais là, en ça fait... va être encore pire. Oui. Mais moi, finalement, 2017, 2016, les beurettes, je leur ai bien pissé dessus à ces salopes. Maintenant, 2017, je m'occupe plus d'elles, moi. Moi, je m'occupe des vraies filles. Ben... Chez nous, faut trouver la solution pour les vraies filles de chez nous. Les beubeux, elles calmiquent leur grand-mère. C'est que nous, tu vois, les filles... Enfin, moi, je veux pas me prendre pour une fille prétentieuse et tout. Moi, on va dire, femme de village. Enfin, je m'habille très, très, très correctement. Enfin, je veux dire, je cache mes formes. Je fais mes prières. J'essaye d'être le plus discrète possible. Voilà. Après, on est dans une société où, voilà, on est quand même dans une mixité, tout ça. Donc, on peut, voilà. Mais en tout cas, on essaye de se préserver. Et bon, après, quand j'étais peut-être plus jeune, j'étais au lycée, tout ça, moins dans une mentalité, mais on veut dire qu'avec l'âge, j'ai compris le sens de cette vie, voilà. Et le problème, c'est que, enfin, Bassem, j'avais une question aussi pour toi, du coup, parce que, voilà, parce que je sais que, voilà, toi, tu as beaucoup les beurettes, enfin, qui se mettent avec beaucoup de Renoir, enfin, voilà, des mecs, des maîtres Gims, des gars bizarres. Pas des Renoir, pas des Renoir, des métissages, du métissage. Il n'y a pas que Renoir. Métissage, d'accord.
D'accord. Et je voulais te demander si, par exemple, toi, qu'est-ce que tu penses, par exemple, si une fille va bien, c'est digne, tout ça, un frère, par exemple, converti, français converti ou bien renois, qui est bien dans le digne, mais qui vient faire une robe, tu vois, bien dans les règles, avec le père qui est quelqu'un de bonne famille. Toi, alors, tu penses comment les choses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense... Oui. Pourquoi c'est toujours les Maghrébines qui nous posent ces questions-là? Bah, parce que en fait. Pourquoi? Pourquoi c'est tout le temps vous? Pourquoi? Pourquoi ça vient de vous? La faille, elle vient de vous. Moi, je vais te dire une chose. Wallah il oui. Y a des convertis par conviction qui sont meilleurs que nous, élevés dans des familles musulmanes, Zama. Ok, on est bien d'accord. 1/10 et encore, je suis large. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ça. Ils sont où les vrais de vrais? Moi-même, je suis pas un vrai de vrai. Je fume de la drogue, je dis des phrases bizarres. Même moi, j'ai mes défauts. Moi, le premier. Moi, ça veut pas dire que j'ai été élevé dans une famille maghrébine, musulmane, que je suis meilleur que le converti. Loin de là. Le converti par conviction, c'est lui qui est allé chercher la religion. Mais malheureusement, derrière ce frère converti par conviction, il y en a 9 qui se cachent, qui sont là par intérêt. Ceux qui, dès qu'ils ont le cul de leur beurette dans le halal, aussi halal qu'un McBacon, eh ben, ils sautent des salades pour jouer à la PS4, ce fils de pute. On les connaît, ceux-là. Donc, Ouais, ça c'est vrai. T'as pas forcément tort. Franchement, là-dessus, je suis d'accord. Sauf, tiens, ce que tu me dis... Ok, donc, mais si vraiment la fille est tombée vraiment sur quelqu'un, on va dire, Nia et tout, toi, est-ce que dans ce sens-là, tu es... Voilà, enfin, c'est ça que je voulais savoir. Alors, toi, déjà d'une, c'est pas moi qui vais les marier. Tu me poses la question comme si que... Mais qui soit heureux? Donc, allez, toi, maintenant, dis-nous la vérité. Il s'appelle comment, le tien? François Amadou? Non, dis la vérité, non, il s'appelle justement, comment? Non. Moi, je vais te dire la vérité, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, justement, enfin voilà, moi, je suis... Tu vois, je suis tunisienne. Donc, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien un tunisien. Vraiment. Après, maghrébin. Franchement, vraiment. C'est ça, j'aimerais bien. Après, je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui se sont présentées à moi et qui m'avaient l'air bien. Enfin, voilà, qui souhaitait le mariage et tout, qui m'avait l'air bien, mais qui n'était pas, voilà, qui n'était pas forcément maghrébin. Voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu, tu vois. Alors, non, mais toi, il faut savoir, toi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt le métissage commercial swag, mais il y a, même si moi je suis contre le métissage, mais il y a des couples métis qui marchent bien. Il y a des couples métis, oui, bah, qui marchent bien, ils sont ensemble, bien. Mais moi, je pense que le choc des cultures... Si toi, tu es nationaliste et tu te maries avec un Sénégalais nationaliste ou avec un Français nationaliste ou avec... Ce que je veux dire, c'est qu'arrive à un moment, il y aura le choc des cultures. Ça va faire des conflits. Il y aura le choc des cultures. Parce que le frère sénégalais, il va te dire, voilà, quand tu vas venir chez lui... Normalement, tu viens avec un boubou, tu t'assois par terre, tu manges avec les mains. Oui. Moi, je prends toujours cet exemple et je continuerai à le prendre. Est-ce que tu as déjà vu Aminata, la malienne, qui est mariée avec Rachid, un Tunisien, genre. Est-ce que tu as déjà vu Non. Amina, voilà. Est-ce que tu as déjà vu la mère d'Aminata? Elle ne va pas avec nos mecs. Hein. Exactement. Mmh. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà vu, je sais pas moi, la mère de Rachid aller au marché avec Aminata? Ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu Rachid faire de la mécanique avec le père d'Aminata? Ça n'existe pas. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est beaucoup dans le notre sens, c'est beaucoup la fille rebeu avec un renois que l'inverse il se fait pas. Leur fille, elle reste chez eux, elle reste entre elles, enfin avec des mecs de chez eux. Ça, je suis d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que, après, moi, je voulais ton point de vue, je voulais ton avis, mais c'est vrai que moi, dans l'idéal, je suis pas pro-métissage, pas loin de là. C'est juste que en ces temps difficiles où c'est très très compliqué de trouver quelqu'un, tout ça et tout, je me suis dit, est-ce que des fois, faudrait peut-être pas
ce critère-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup peur Non, mais par rapport à. moi, Asma, je te comprends qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, bon, toi, la manière dont tu expliques la chose, wallah, hein, je pense, à mon avis, à mon simple avis, je sais qu'il n'y a pas de vice dans ce que tu me dis. Mais par contre, il y a des Oui. putes maghrébines, des grosses salopes, Ah qui oui, te d'accord. disent, Ouais. oui, j'en ai marre des Arabes. Maintenant, je me mets avec les autres. Il y en Ah a non, non, marre pas des du Arabes. tout. Elles, c'est des putes, elles. Bon. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que c'est vrai. Ce que tu viens de dire, tu as 27 ans. Aujourd'hui, le marché pour une femme de 27 ans est très compliqué. Pour trouver un homme Oui. bien, c'est très, très compliqué. Maintenant, Oui, ce que je ça veux c'est te vrai. dire, pour moi, tant que tu es heureuse, wallahi l'adhim. Voilà. Tant que tu es heureuse, Ben. marie-toi même avec un martien, tant qu'il est dans le deal, hein. Marie-toi même avec un martien. Ce que je veux dire, c'est tant que toi, tu es heureuse, et malheureusement, oui. Malheureusement, moi, le premier, je fais le constat. Les hommes maghrébins, arrivés à un moment, faudrait se poser les bonnes questions. C'est bien de pointer les autres, mais faudrait qu'on commence à regarder nous-mêmes. Pourquoi il y a une fuite comme ça? C'est pas possible. Exactement. Pourquoi il y a une fuite comme ça? Faudrait qu'on Mais se quand pose tu la regardes, question. c'est que dans notre communauté que que les femmes, elles partent avec d'autres mecs. Les autres, elles partent pas. C'est que les femmes de chez nous qui sont ensuite sont en train d'aller dans tous les autres pays, tu vois. Non, mais il faut dire que la maghrébine est un produit très recherché par les hommes. C'est tout. Il faut dire ce qui est. La Oui. femme maghrébine, c'est celle qui a le plus la cote ici en France. C'est clair, net et précis. Ouais, Les gens c'est courent vrai. tous derrière. Mais faudrait qu'on me pose la question pourquoi les femmes se métissent plus que les hommes quand même. Ouais, ça c'est pas faux. Mais bon, Bah. en tout cas, moi, voilà, je suis d'accord avec toi. Et bon, après, dans l'immédiat, Inch'Allah, j'espère, enfin, dans le futur, j'espère vraiment être avec un maghrébin, enfin, tunisien ou un maghrébin, Inch'Allah. Puis, Inch'Allah, j'espère Inch'Allah, que c'est tout ce que je Zira, te il sera. souhaite. Mais sache que même Bon, si je suis bah, écoute, contre, oui. mais sache que même si je suis contre le métissage, wallah, je te souhaite tout le bonheur du monde avec n'importe quel mec que tu ramèneras. Barakallahu fik, Wa fik Moussa. baraka. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Oh, dommage, fromage. Allô? Ouais, salam. Alaikum salam. Ça va bien, tranquille? Bien, et toi? Ça va, ça va. Alhamdoulilah, je Du coup, je t'écoute. voulais rebondir sur les sujets que vous discutiez. Oui. D'abord, j'aime beaucoup ce que tu fais et ce que tu apportes, malgré que je pense que c'est beaucoup trop communautaire et en même temps c'est bien, en même temps c'est mal. Dans le sens où, parce que, tu sais, on t'américanise un peu la chose. Je sais pas si tu as remarqué un petit peu, Bassam. Je sais pas ce que tu en penses. Alors dans ta manière de parler, machallah, frère, c'est très intéressant. Je vais débattre avec toi. Juste derrière, il y a un bruit de fond. Je sais pas s'il y a une baffe qui est allumée. Non, verra, c'était le son Voilà. du live. Voilà. Essaye de baisser le son, on t'entend mieux. Ça y est. D'accord. Ouais, du coup. Jamais. Tu me dis, j'ai américanisé la chose. C'est quelle est la première puissance mondiale? C'est les États-Unis. Donc, Inch'Allah, on est la première puissance mondiale. Non, frérot, oui. On me reproche souvent que si j'avais eu un peu plus d'ouverture, j'aurais eu un public plus large. Mais est-ce que moi, je cherche un public en particulier? Non. Je fais tout ça par niya, frérot. C'est pour ça, des fois, je dérape, que je pars en couille, tu sais? Mais c'est bien. Déjà, on voit que t'es honnête et t'es franc. C'est une bonne chose. Mais après, est-ce que t'as réfléchi dans le sens où t'américanises vraiment le truc, dans le sens où on monte les communautés entre elles et que toi, par la force, c'est ce que tu fais aussi, tu vois? C'est ce que tu fais aussi. Après, il y a son bon côté dans le sens où il y a besoin de ça. Tu vois, on a vu les présidentielles par exemple. Il n'y a pas de vote musulman. Je prends le cas des présidentielles parce que c'est l'actualité. Il n'y a pas de vote musulman. Les musulmans, ils comptent pour rien. Ils comptent pour rien du tout en France. Ou les musulmans, ou sans parler de musulmans, dans la communauté maghrébine. Et dans ce sens-là, je me dis que c'est bien ce que tu fais parce que dans un sens, tu communautarises dans le sens où on peut devenir une force, on doit devenir une force. Dans tous les autres pays du monde, tu vois aux États-Unis par exemple, la National Islam, bah, c'est une force comme une autre. Obama, il se couche envers eux. Enfin, il s'est couché envers eux à l'époque, parce que c'est une force. Et dans ce sens-là, c'est bien.
dans un sens, dans un autre sens. Attends, excuse-moi, il y a Aurélie, cette sale pute qui vient de dire, dans le truc à Bassem, il y a un sang de nez crochu. Le nez crochu à ta grand-mère. Tu torches le cul au Moltonel et touffes ton cul ici. Virée, petite pute, va. La vie de ma mère, comme elle m'énerve, celle-là. Je suis sûr, sa mère, c'est la petite sœur à son père. Toi, t'es caissière à mi-temps à Leroy Merlin. Peu à lui que sale pute, va. Vas-y, frérot, parle. Excuse-moi. Et voilà, je voulais savoir si toi, t'avais cette approche-là par rapport à ce que tu fais. Moi, je... C'est pas... Non, c'est pas le fait d'être très communautaire. C'est... Non, moi, j'ai envie de parler des choses entre maghrébins. J'ai envie qu'on se critique entre maghrébins. J'ai envie qu'on se parle entre nous pour laver notre linge sale en famille et surtout ne pas être hypocrite entre nous, frérot. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui disent que je veux diviser, c'est des gens qui sont non maghrébins ou c'est des maghrébins fragiles. Oui, il y a une chose que j'ai envie de diviser à mon petit niveau, parce que je suis tout petit, moi, c'est la Ouma des caves. La Ouma des caves. Ouais, bien sûr, frérot. C'est la Ouma, voilà. C'est la Ouma des caves. Après, ce que je veux dire, c'est que mon avocat, le premier, Wallah, me taxasse à moi, il me l'a dit. Il m'a dit, ah, Bassem, il l'a dit dans une audience de comparution immédiate. Il a dit, le problème, le seul problème que j'ai pour mon client, c'est que c'est dommage. Il fédère beaucoup de monde, mais il est très communautaire. S'il s'ouvrait un peu plus, après, peut-être que. Mais moi, je sais pas, frère. Moi, je connais pas les autres. J'aime bien les gens de chez moi, frère. C'est pas je suis fermé. Je suis pas fermé. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Mais quand il y a des soucis, j'aime bien regarder ce qu'il y a devant chez moi, déjà. Non, mais bien. D'un côté, c'est bien. Et bon, moi, je vois, t'as vu, je vois toujours les deux choses. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Pour reprendre le cas que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'appelais tout à l'heure, la Tunisie, on parlait de la Tunisie. Je sais pas ce que c'est. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qui s'est passé en Tunisie. C'est le seul pays du Maghreb qui est arrivé à sortir un dictateur par la démocratie, etc. On n'était pas préparé, mon cousin. Wallah, on n'était pas préparé. Mon cousin, je suis tunisien. Wallah, on n'était pas préparé. C'est vrai qu'il y a eu un ras-le-bol en Tunisie, mais aujourd'hui, va faire un micro-trottoir. Dans les... Bah, ils vont dire tout ça. Ils vont dire exactement. Frérot, excuse-moi, je te donne une image. Avant, sous Ben Ali, oui, c'est vrai que c'était un état policier digne de la Securitat de Roumanie. C'est exactement pareil, sauf que tu laissais tes clés dans le contact, tu revenais, elles étaient dessus, frérot. C'est vrai, mais regarde, moi je voulais justement parler de ça, parce que bah, t'as une bonne communauté maghrébine qui doit être éclairée, et moi je te reproche un petit peu ça, Bassem, c'est que, certes tu parles des sujets de tous les jours, et c'est là où ça fait le buzz, même si le terme il est péjoratif, et d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, moi, ce que je peux te reprocher, c'est que t'éclaires pas assez les gens sur les vraies choses. Je te donne l'exemple de la Tunisie. Tu parlais de la Tunisie tout à l'heure, que on peut parler même du sujet du soir. Hein. Les faux riches de l'été. Regarde, ce qui se passe en Tunisie, d'un côté, le peuple en avait marre, etc. Ils sont servis via Facebook, les réseaux sociaux, pour monter une colère dans la rue, monter les gens contre le dictateur. Mais qui a récupéré derrière tout ça? Après, récupérer, peut-être ils l'ont lancé, peut-être c'est volontaire, peut-être pas. Comme il disait le frère, il n'y a pas, toi tu disais, il n'y a pas de ressources en Tunisie, il y a des ressources. Il y a du pétrole, il y en a encore, il n'y a pas longtemps, ça a été découvert. Tous les puits de pétrole que tu vas trouver en Tunisie, parce qu'il y en a, bah, tu vas sur les lieux où il y a des puits de pétrole, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. Dans d'autres pays, au Mali, machin, tu vois, c'est total. Directement, ils affichent les drapeaux. En Tunisie, il n'y a rien d'affiché. Ils font ça en sous. Et moi, c'est ce que j'aimerais te dire, et dire à tous ceux qui nous écoutent, ils font ça en sous. Je te donne l'exemple du par exemple, le premier, maintenant, avant c'était Tunisie Télécom, etc., Tunisiana, le réseau téléphonique, maintenant c'est quoi? Le premier réseau, je te pose la question, en Tunisie, le premier réseau de téléphonie, portable, etc., c'est quoi? C'est pas Unitel ou un truc comme ça? Non, Unitel, c'était avant. Je sais pas, frère. Orédo, aucune idée. Non. Orédo, maintenant, c'est ceux qui ont Internet. Ah, Orédo, le sponsor de Espérance, du club africain. Oui, frérot, je vois. Voilà, c'est des sponsors du club africain, etc. Orédo, ils ont, c'est le SFR, on va dire,
de la Tunisie. Même pas SFR, c'est encore plus haut. Ils ont tout pris. Et Oredo, c'est qui? Oredo, c'est qui? Oredo, c'est le Qatar. Oredo, c'est le Qatar. Et aujourd'hui, en fait, la France, elle a été rachetée par le Qatar. Avant, Ben Ali, il faisait pas rentrer ni le Qatar, ni machin. C'était une mafia, genre, tu, je sais pas si tu connais les rumeurs, tu montes ton hanout ou ton business, tu dois donner la partie au gouvernement, bien sûr, etc. Amatrice, fils de pute, à tout le clan Trabelsi, c'était du racket, frère, mais c'était acheter finalement sa tranquillité, oui, mais maintenant, va poser la question aux Tunisiens, ils vont te dire, entre eux, un dictateur et la misère qu'on vit maintenant, je te dis franchement. Mais je suis d'accord. Mais regarde, par exemple. Regarde comment c'est vicieux. J'aimerais éclairer les gens là-dessus. Enfin, ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu. Oredo, c'est le premier réseau téléphonique en Tunisie et dans d'autres pays, d'ailleurs. Mais pas en France. En France, il n'y a pas Oredo. C'est pas comme SFR, Soch ou ce que tu veux. Mais par contre, Oredo, tu le vois sur le maillot du PSG. C'est le sponsor du maillot du PSG. Tu le vois en gros Oredo. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Comme quand ils ont recruté Ben Arfa, par exemple. Ils essayent de faire quoi? Ils essayent de mettre les Maghrébins de France dans leur tête que, par exemple, Oredo, c'est le SFR, la première puissance du téléphone. Toi, tu vas rentrer au bled, tu vas prendre ta puce Oredo, parce que tu l'as vu sur le maillot du PSG, etc. Ils ont recruté Ben Arfa, ils ont essayé de faire quoi? En fait, ils essayent de venir nous chercher parce qu'on voit le plus. Et après, le business, la Tunisie, elle a été volée par le Qatar. Elle est en train d'être pillée par le Qatar. Le Qatar a pris la Tunisie par le biais des États-Unis ou Facebook ou ce que tu veux, tu vois. Mmh. Alors, enfin, voilà. J'ai un peu endormi tout le monde, non? Non, frérot, tu dis ce que t'as à dire, aucun problème, aucun souci. En tout cas, c'est tout ce que tu voulais nous parler de ça, en tout cas, frérot. Non, puis voilà, et puis je voulais te parler aussi de ce que tu montes, etc. Toi, tu vas aller où dans tout ça? Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Moi, si j'avais voulu faire un truc, je l'aurais fait il y a longtemps. Moi, j'ai un but dans ma tête, c'est que finalement, je suis rentré au Habs pour Facebook, donc il faut que je tire un truc bien de Facebook. Et comment faire, Inch'Allah? Faire peut-être un jour créer une communauté sur Internet où on peut aider les gens sans passer par des cagnottes ou sans passer par ça, par le biais d'abonnements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses, se rencontrer entre nous, se rendre service entre nous. Il ne faut pas chercher à être calife à la place du calife. Moi, je veux pas monter une entreprise de multinationales. Non. Moi, j'aimerais bien être dans l'urgence. Tu vois, quand quelqu'un a besoin et qu'on peut l'aider, eh ben on l'aide. Et pour ça, on n'est pas obligé de dire aux gens, mobilisez-vous. Si les gens donnent 5 euros par mois, 10 euros par mois maximum, la tête de ma mère, on renverserait le monde. Wallah, les gens, ils passent plus par des associations, ils font plus la queue à la CAF. Si on peut les aider, on les aidera avec grand plaisir, frérot. C'est ça que moi, j'ai envie de faire. C'est très bien. Wallah, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est très bien. C'est juste ça, tu vois, faire des actions concrètes pour de vrai. Moi, tu sais, je vais t'expliquer une chose. Moi, j'ai un but, c'est que je me dis, pourquoi pas, bon là, on va être trop court, mais pourquoi pas pour le Hajj 2018, il n'y a pas une équipe de la chronique qui, eux-mêmes, ramène 3, 4, 5 Hajj à l'aéroport parce qu'on aura payé le Hajj. En 2 mois, c'est faisable, comme ça, la tête de ma mère, frère. Pourquoi on ne le ferait pas, ça? Voilà. C'est sûr, d'un côté, on donne, de l'autre, on touche à la communauté, on les encule. C'est clair, net et précis, frérot. C'est sûr. Voilà. Moi, frérot, quand je parle à des gens et je m'aperçois qu'ils sont sur ma chronique, merde, il y a des avocats, des kinés, il y a la tête de ma mère, des pharmaciennes, il y a des médecins, il y a des, inchallah, des mecs qui tiennent des entreprises, des... Oh frérot, on peut faire énormément de choses. Là, alhamdoulilah, une chaise, une poussette pour handicapés. Une pharmacienne de la chronique, elle m'a dit, je suis pharmacienne, moi. Je te la commande, elle est hors taxe. On s'est mobilisé en 1 heure, l'affaire était pliée. Imagine quand on va la livrer à son père dimanche, Inch'Allah, ce qu'il va se dire dans sa race. Le mec en chute. Le mec en chute. Le mec quand je suis venu voir le père de famille,
Je lui ai dit, écoute, peut-être que tu sais pas qui je suis. Je lui ai dit, moi, on me connaît un tout petit peu sur Internet. Des fois, j'aide un peu les gens. Le mec, il me regardait dur, quoi. Il se disait, mais il vient d'où, lui, et tout le reste et tout. Et ben, Inch'Allah, qu'on va lui prouver que du virtuel au réel, il n'y a qu'un seul pas, frérot. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je pense que tu peux faire des grandes choses. Après, on est tous venus vers toi. Je vais pas te mentir, en se la raclant, en disant, regarde-le, celui-là, ici, il taille, machin, c'est marrant, tu vois. Je vais pas te mentir, c'est la plupart des gens, ils sont arrivés vers toi, c'est pas Mais t'as cru, mon frère, que les gens ont commencé à me suivre à cause de mes dons? Mais t'es fou, quoi? À cause de tout voilà, le S vois, et tout le zbel qu'on a fait l'année dernière en 2016. Aujourd'hui, les gens, ils me disent, ah, Bassem, un mec Facebook 2016, il allait dans les quartiers, anana. Tout était stratégique. C'est-à-dire qu'il fallait passer par là. Parce que, pour montrer aux gens que nous, ceux qui étaient avec moi, avant d'être des gens du web, on est des gens de la rue. On fait pas le contraire, nous. On n'est pas des maîtres du web qui se prennent pour des gens de la rue, non. On est des gens de la rue qui se sont mis sur le web. C'est vrai. Et comme voilà, tu as dit, à l'heure actuelle, il y a des gens comme moi, par exemple, qui peuvent aider les autres, qui peuvent donner des emplois, il y a plein de choses à faire. Il faut s'organiser, il faut faire les choses. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que toi, tu t'allies à d'autres. Après, je sais pas, j'ai pas d'idées particulières, hein. Mais comme tu as dit, il y a des choses à faire. Il y a une communauté à faire. Mais de ce petit truc, je pense qu'on peut créer quelque chose de grand. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on devienne une force. Mais frérot, on deviendra une force parce que plus mes comptes sont signalés, plus ça veut dire qu'on commence à faire claquer des fesses certains. Mais ce que je veux dire, frérot, c'est que voilà, moi, je veux surtout pas qu'on ait cette image spéciale caritative de la chronique ou Zama. On met tous des écharpes palestiniennes, on fait des t-shirts, on se lève la main et on chante. Non, la chronique, c'est au tac au tac, c'est des Lucky Luke, frère. Moi, je connais. Quand il faut aider, on aide, Je connais des juifs, des israéliens qui t'écoutent. Il y a de tout qui t'écoute, qui plaint. Ouais, Bassem, il m'énerve sur ce sujet, j'aime pas quand il dit ça, mais là, je trouve, il a raison. Ah, Bassem, il a raison sur ça, tu vois. Tu donnes des vérités, tu dis des trucs qui sont bien dans un sens et dans un autre qui sont pas bien. Il faut prendre les deux, regarde comme la fois où t'es passé sur BFM TV, t'as été utilisé à mon sens. Ils t'ont utilisé pour dire ouais. Alors frérot, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Wallahi l'adim, BFM TV, quand je suis passé en direct pendant 8 minutes, je crois. Je suis passé à 23h dans le taux d'audience. C'est après le film, hein. C'est le journaliste qui m'a expliqué. C'est le taux d'audience où il sait le plus haut, après le film. Et j'ai accepté qu'un seul direct. Et si tu regardes bien l'interview, je commence par dire mes hommages aux victimes françaises, palestiniennes, syriennes. J'ai accepté le direct uniquement pour glisser ces deux mots. Même si mes hommages pour la population française étaient sincères et ça venait du cœur, frérot. Après, tout le reste, ça m'intéressait pas. Et alhamdoulilah, cette vidéo a fait jurisprudence parce que j'avais des propositions de malade mental. L'envoyé spécial, ils étaient capables. Ils sont venus, ils m'ont dit, on te suit pendant une semaine, tu vas dans les quartiers, tu parles aux jeunes. Non. Et finalement, il y a une journaliste qui a sorti la face cachée du chroniqueur. Ils se sont dit, mais c'est qui celui-là, Stovny, là, qui est venu, qui a fait 15 millions de vues? Il a fait quoi, lui, avant? Ils ont vu mes vidéos avant, la putain de ta mère, beurette, je sais pas quoi, si ça. Ils se sont dit, voilà. Finalement, ça m'a servi. Parce que je ne suis surtout pas un exemple. Je veux surtout pas être un exemple. Si je peux être un relais d'information, juste un relais, on me dit, moi je répète et je mets en ligne, il n'y a aucun problème. C'est des choses que je ferai avec plaisir, frérot. Non, c'est ça. Mais après, pour moi, tu as été utilisé. Mais moi ce que j'ai regretté, c'est pas que tu as été utilisé. Non, c'est bien. Mais il faut continuer à le faire. Faut qu'on se serve d'eux comme ils se servent de nous. Ça va dans les deux sens. Faut pas les laisser continuer à nous utiliser quand ils veulent. Et après, quand nous on a besoin, il y a personne, tu vois. Faut que ça aille dans les deux sens. Donc faut, à mon avis, à mon sens, t'as pas assez continué dans ce sens-là. Tu t'es dit, ouais, peut-être je suis en train de me faire hachis, ils sont en train de me donner une image. Et la preuve, derrière, ça t'a fait des soucis. Mais
Mais voilà, ouais, faut utiliser tous les moyens. Non, mais maintenant, frérot, voilà, on a montré que quand il faut mobiliser pour péter des dents, on sait mobiliser. Quand il faut mobiliser pour aider les gens, on sait le faire. Alhamdoulilah, frère. Moi, quand on a hébergé grâce les gens, ils critiquaient le réseau Périscope où je vais. Moi, quand je vais des fois sur Périscope, j'y vais juste insulter des grands-mères, juste pour rire et tout avec eux. Mais un réseau comme Périscope, finalement, ça nous a permis de faire des Facebook en direct. Ça nous a permis. Ça nous a permis d'héberger 37 Albanais, des familles entières en deux temps, trois mouvements, frère. Parce que les mecs qui me regardent et qui rigolent des fois, eh ben eux, c'est des grosses têtes. Ils ont des boîtes, ils ont des trucs. C'est ça, le réseau, il est bien, en fait. C'est ça, le truc. Non, c'est exactement ce que je te dis. Après, il y a toutes les histoires annexes, machin, ça veut dire... Mais on se fait enculer. Non, mais pareil. C'est le jeu du... C'est le jeu. Anna Diaz, elle me dit, ça l'air assez fort. Ferme ton cul, toi, Anna Diaz, n'a un bouton fontain orange. Ferme ton cul, toi. Toi, déjà, tu parles. Elle parle trop, elle, là. Non, vous le dites. Bref, en tout cas, frère, je te remercie de nous avoir appelé. Bah ouais, ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, on se dit à plus tard, Inch'Allah. Hein? Et à plus. Et bonne continuation. Salam. Salam, frère. Wallah, qu'est-ce qu'elle m'énerve, celle-là, là. Allô? Allô? Ouais, salam. Alaykoum salam, bien? Bien et toi, alhamdoulilah, je t'écoute, frère. Ça va, alhamdoulilah. Ah, dis-moi, c'est quoi le sujet du soir, s'il te plaît, parce que j'ai pas... Parle-nous de ce que tu veux, frérot. Je sais pas, moi, tu te parles de quoi, frère? Des faux riches de l'été, ceux qui rentrent au bled, des flambes. Ben, franchement, tu veux que je te dise quoi, voilà, par... Qu'est-ce que tu veux qu'on les pointe du doigt, déjà? Pourquoi tu veux les pointer du doigt, ils servent à rien? Et c'est pas ce qui va faire avancer la communauté, frère. Exactement. Et ça, c'est une minorité, ça, frère, voilà. Mmh. Parce que toi, frère, tu nous appelles d'où, là? De Toulouse. Toulouse, big dédicace, Toulouse. Tu voulais nous parler de quoi, en vrai, ça? Franchement, de tout et de rien, frère. Moi, ça m'est égal, frère. Moi, je voulais t'avoir au téléphone, déjà, Bassem. Mmh. Chèque à Toulouse, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères qui m'appellent de Toulouse. On m'aime bien là-bas, machallah. Big dédicace à vous aussi. Et puis ça fait toujours plaisir. Bref, revenons au sujet. Tu voulais qu'on parle des faux riches de l'été, c'est ça? Des faux riches de l'été, frérot. Moi, j'en connais plein, moi. Ceux qui travaillent, qui mettent de côté toute l'année, qui coffrent, qui... Voilà, c'est des crevards, frère. Ils Comment c'est des crevards, frère les... C'est pas des crevards, ils coffrent. Ils coffrent, ils mettent de côté. Comment tu coffres, frère? Tu coffres toute l'année, tu sors pas, rien. On te propose d'aller au ski, de faire des activités. Là, ils font rien, frère. Voilà. Et c'est les premiers à rentrer. Oui. Oh, mars, avril, ils sont sur le bon coin chercher une voiture, je dis. Et dès qu'il la revend en septembre, il la vend par perte. Là, il perd de l'argent, il pleure. Et allez, c'est reparti au bolot, il travaille, il carbure. Il gaspille pas un pépette, je dis. Arrivé l'été, rebolote. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de souci. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Après, on n'est pas tous comme ça. Là, faut savoir qu'on n'est pas tous comme ça. Il y en a, ils sont humbles, frère. Il y en a, ils ont, je vais pas te dire, ils ont le million dans leur compte, mais il y en a, ils sont, c'est des gavés, c'est pas pour autant qu'ils le montrent. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas de souci, c'est les plus gavés qui ne le montrent pas, frérot. Wallah, l'adem, frère. Oh, je connais des gars de jeu, ils ont le compte, il est plein, frère. Quand tu les vois, on dirait, ils n'ont pas un euro, Zébé. Ils sont humbles, tu vois ce que je veux te dire? Ils ne pètent pas plus que leur cul. Et alhamdoulilah, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Moi, je connais des moi, à Lyon, je connais des millionnaires, ils roulaient bien en smart. Voilà, frère. Ouais, mais moi, j'en connais plein, frère. Oh, j'en connais plein, voilà. J'en connais plein, ils sont humbles, frère. Ils ne pètent pas plus haut que leur cul, voilà. Mmh. Bref, en tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. J'ai beaucoup de monde, frérot. Big dédicace à Toulouse. Avec plaisir, frérot. Prends soin de toi, ma frère. Prends soin de toi. Merci de ton appel. Salam alaikum, frérot. Salam alaikum. Salam. Ouais, ouais. Allô? Allô, Bassem. Salam alaikum. Alaikum salam, frère.
quoi? Alhamdoulilah, bien, et toi, je t'écoute, frérot. Alhamdoulilah, ouais, bah, le débat, il est intéressant, là, les faux riches de l'été, là. Eh ben, vas-y, mon frère, envoie la sauce. Eh ben, écoute, oui, mais pourquoi tout le monde parle du bled à chaque fois, en fait? Parce que là, j'écoutais un peu, là, depuis tout à l'heure, là, ça parle beaucoup du bled, hein, quand même. Il n'y a pas besoin de parler du bled, hein, on les voit déjà ici, hein, en France, hein. On les voit bien, hein. Ouais, toi tu veux dire qu'il n'y a pas besoin d'aller au bled. Il n'y a pas besoin d'aller au bled pour... Non. Ouais, pas très... Attends, 30 secondes, frérot. Tu vois, 30 secondes, Aïchik, frérot. S'il y a un administrateur là, qui regarde la page là, qui regarde le direct, Mehdi ou... Débloquez-moi Mourad Ben Ali, s'il vous plaît. Il est venu, on s'est arrangé entre nous. Allez, c'est un nationaliste marocain, il abuse. C'est pas grave, remettez-le. Allez, vas-y. Ouais, frérot, tu parles déjà quand ils descendent sur la côte? Déjà, c'est ça? Ouais, ce que je veux dire, en fait, c'est que finalement, on parle de on les remarque bien au bled et tout, mais moi je les vois, on les remarque, en fait, quand tu regardes bien autour de nous en France, on les voit bien, les faux riches partout, c'est les gens qui font monter les prix de l'immobilier, qui achètent des appartements alors qu'ils n'ont pas d'argent, tu vois. Et ça, déjà, je le vois très bien. Mmh. C'est ce que je veux te dire. Ceux qui pètent plus haut que leur cul, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Quand tu vois avec les salaires qu'on gagne aujourd'hui, des fois, tu vois, tu te dis, mais il est où le piège, tu vois? C'est un peu bête, quoi. Moi, j'habite dans un secteur en Haute-Savoie, je suis proche de la frontière suisse, et on a un fléau aujourd'hui, c'est les frontaliers. C'est un truc de fou. Tu vois, des gens qui profitent, en fait, des loyers bas avec des salaires hauts. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou. C'est, il y a personne qui se pose de questions, qui se dit, tu sais, vis-à-vis de l'autre. Vivre, quand t'es un citoyen, tu vis avec les autres, tu te dis quand même, normalement, tu sais, un peu de d'ihtiram, tu vois, envers les autres, envers tes voisins. Tu vois, t'habites dans un HLM. Certes, essaie de vivre comme tes concitoyens. Un peu d'humilité, quoi. Un peu d'humilité. Voilà, un peu d'humilité, ouais. Mmh. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un peu d'humilité, mais on a tous en nous une gêne vaniteuse qui fait que ouais, voilà, on aime bien vrai, rentrer, se la flamber. Très, très, très bon. Ouais, bien sûr. Il manquerait plus après, que mon cousin, humain, il a après, des meilleures baskets que moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est quoi? Je m'en rappellerai toute ma vie. Quand j'étais petit, mes parents, ils m'avaient emmené au bled. Et je m'en rappelle à l'époque, mes parents, ils m'avaient acheté des chaussures, tu sais, qui s'allument là derrière, là. Ouais, des El Aguir. Oh là là. El Aguir. Oh là là. Les El Aguir. Ouais. Oh là, je marchais avec au bled. Bon, moi, je suis tunisien, tu vois, Manzé Bourguiba, là-bas. Manzé Bourguiba, ouais, je connais. Je connais. Là-bas. Voilà, je connais. Mes cousins, ils se mettaient par terre. Ils comprenaient pas comment les lumières. Ils étaient là, ils hallucinaient. Et moi, j'étais en train de flipper. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais j'arrivais pas à comprendre encore le décalage qu'ils ont ramassé dans la tête, tu vois. Non, mais moi, frère, j'ai encore mieux. Au bled, j'ai mon cousin, j'avais une paire de Reebok Pump. La tête de ma mère, je devais partir l'après-midi, rentrer en France. Et lui, dans la nuit, il a caché juste la paire gauche. Et moi, je la trouvais pas. Il croyait que j'allais abandonner ma paire. Et je l'ai trouvée. Au moment où on allait partir, je me suis bagarré avec lui. La tête de ma mère, c'est vrai. Truc de fou. C'est des missions, mais bon. En tout cas, merci de nous avoir appelé, frérot. Bah, pareil, moi, puis c'est bien ce que tu fais, continue, c'est bien. Merci beaucoup, prends soin de toi, frérot. Quelque chose de positif. Merci, Amine. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est bon, qui c'est qui me le débloque, Mourad Ben Ali? Merci. Allô? Allô? Salam alaikum, Bassam. Alaikum salam. C'est Salima, je sais pas si tu te souviens, la dame de l'Isère pour l'association entre sœurs. Ah, Salima, bien ou bien? Ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, bien, les choses se passent. Ah. Je t'écoute. Ça va, alhamdoulilah. Ben, je voulais un peu débattre sur le sujet. Alors, juste avant, pendant que j'étais là, t'es au courant que... Dis-moi. Putain, c'est vrai que je le publie jamais, je sais pas ce que j'ai dans la tête. Il y a Chronique de basse pour femmes qui a été créée. Ah d'accord, bah, faut absolument, à la fin du live, je vais mettre ce lien, qu'on en finisse. Hein.
C'est un groupe dans le même esprit que de chez moi, mais c'est un groupe tenu par des femmes de la chronique où il n'y a que des femmes à l'intérieur. Donc là-bas, tu peux poster en plus, tu peux poster tout ce que tu fais. Je vous rappelle que la sœur Salima, c'est la sœur qui nous avait appelé, qui habite à côté de Voiron et qui, machallah, a une très très bonne idée pour les femmes de la communauté. Revenons sur le débat. Pour information, ouais, pour information au sujet de l'association, deux petites minutes. J'ai une dame qui me, qui, j'ai parlé avec une dame, en fait, c'était une Française, son fils te suit sur les lives, et bah, du coup, j'ai fait connaissance avec elle, et regarde, subhanallah, c'est une Gawriya, et elle m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez, pour le Ramadan, elle me dit, moi, je veux bien apprendre à cuisiner avec vous, et pourquoi pas, bah, vous m'apprenez ma cuisine. Elle, Salima, tu me l'apprends tout de suite, tu vas l'apprendre qu'elle apprend chez nous, hein, c'est bon pour l'image, ça. Subhanallah, Bassem, elle a 45 ans. Mais elle m'a dit, mon fils m'a parlé et tout ça. Et Moktoub Rabbi, je suis tombée sur elle, on a parlé de ça. Et du coup, elle me dit, ben moi, si ça vous dérange pas, même si je suis pas pratiquante, je suis pas de votre religion, je fais pas le Ramadan, mais j'aime votre cuisine et tout ça. Elle me dit, après, moi, je suis très bonne en pâtisserie. Et puis, ben, si on peut s'échanger des recettes, et ben, je lui ai donné mon adresse. Elle est venue 2 jours après, on s'est posé, elle était censée venir juste comme ça pour qu'on parle un peu. Elle est restée tout l'après-midi. Et subhanallah, j'ai fait la rencontre d'une femme. C'est une Gawriya, hein. Mais que wallah, c'est une femme. Mashallah. Alors le truc, voilà, c'est que son fils me suivait dans les lives et... Son fils te suit sur les lives, en fait. D'accord. Et donc, en fait, donc voilà, son fils te suit sur les lives et puis il en a parlé à sa mère. Et moi, en fait, en emmenant mes enfants à l'école, je parlais avec une dame qui a ses enfants dans la même école que les miens. Et on parlait de ça et tout ça. Et puis je lui dis, bah écoute, voilà, j'aimerais bien mettre cette chose-là en place. On parle. Et en fait, elle écoutait un peu ce qu'on disait. On était à côté, tu sais comment ça se passe aux sorties d'école. Et de là, elle me dit, bah excusez-moi, elle me dit, si je peux me permettre, elle me dit, mon fils m'a parlé de ce live. Alors elle savait pas dire ton nom. Je lui dis, ouais, bah c'est Bassem Raiki et tout. Bah je lui dis, bah voilà, en fait c'est moi qui ai appelé. De là, on a commencé à parler, on a échangé. Et puis bah voilà, bah en fait, ça l'a intéressé. Et puis bah du coup, bah je me suis rentrée en contact avec elle, on s'est changé nos numéros. Salima, s'il te plaît, juste, je vais te dire une chose. Après, je vais te laisser finir. J'entends énormément de femmes là dire j'aimerais bien la rencontrer, elle est trop chou Salima. Ben Salima, là je m'adresse à toutes les admin filles, les admin filles qui sont sur live. Salima, faut la rajouter sur le groupe. Elle va faire une publication en disant que Salima c'est elle. Et maintenant, portez vos ovaires et allez lui parler et allez faire des actions dignes de chronique de basse. Merci beaucoup. Après ton intervention, tu iras sur le groupe des femmes, comme ça, les femmes, elles rentreront en contact avec toi. Et crois-moi que, wallah, hein, les femmes que j'ai dans la chronique, c'est des vrais bonhommes. Quand il faut bouger, Hakabi, elle bouge. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je suis là aussi, il n'y a aucun problème pour ça. Bah, franchement, c'est une très bonne chose. Bon, bah, je voulais débattre un peu sur le sujet parce qu'on parle de ces faux riches qui viennent au bled, se montrent, etc. Je suis tout à fait d'accord. Ça a jeté de la poudre aux yeux à nos cousins, à nos familles, etc., qui sont au bled. Au jour d'aujourd'hui, ils sont plus bêtes. Ils savent très bien que c'était juste de la poudre aux yeux. Ils ont remarqué, il y en a beaucoup qui sont venus, qui ont essayé de faire leur vie ici. Ils ont vu que c'était la misère encore plus qu'en Algérie. Moi, je parle pour l'Algérie, je suis algérienne. Je peux pas parler pour les autres pays, je connais pas. Ils ont vu que c'était encore pire ici que là-bas. Sauf que maintenant, le problème, c'est que c'est plus les hommes qui font ces choses-là. C'est les femmes, quand elles vont en Algérie, qui se montrent. Elles montrent que, voilà, en France, elles ont une vie de princesse, elles sont louboutonisées, Louis Vuittonisées, tout ce que tu veux. Mais faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça, parce que toutes nos cousines, maintenant, elles veulent venir ici et vivre le rêve américain. Mais faut arrêter tout ça. Mmh. Tu penses que toi... Si. Bah, moi, je le vois vis-à-vis des mecs. Mais c'est vrai que les femmes, ouais, c'est un peu plus vicieux quand même, hein. Tu vois, elles vont... Bien sûr. Et moi je le vois. Hein. J'ai mes cousines, on est de la même génération. Elles me disent, mais nous, voilà, on veut la France, on veut travailler, on veut ci, on veut ça. Mais c'est pas possible. J'ai rencontré l'été dernier, pendant les vacances, une Algérienne. Elle s'est mariée avec un Algérien de Lyon. Elle est arrivée en France. Ça a été la débandade. Elle arrivait, elle était dans une campagne de Mewen, je sais pas si tu connais Assetif. Non, je connais pas Stif, mais bon. C'est vraiment une petite campagne et tout ça, c'est vraiment le jubel où là-bas t'as rien à faire, il y a vraiment rien. Elle arrivait ici, c'était bonne famille, hein.
Elle arrivait pendant un an, elle faisait son devoir de femme et tout, tout se passait bien et tout. Elle a commencé à fréquenter les Arbia de nos jours qui font les va-et-vient en Algérie juste parce que leurs parents les forcent à y aller parce qu'elles, elles veulent plus y aller parce qu'elles préfèrent aller dans des pays où c'est la débandade, elles préfèrent aller en Thaïlande et tout ça. Elle a voulu vivre la même vie qu'eux. Et ben là, maintenant, actuellement, son mari a divorcé, lui a déchiré ses papiers et lui a dit « Moi, je te veux plus en France, tu retournes au bled. Tu retournes au bled, c'est pas possible. Tu veux vivre la vie des rebeux qui te font... » Non, bien sûr. Hein? Et du coup, faut arrêter de faire ces choses-là. Faut arrêter parce qu'ils vivent mieux là-bas que nous ici. Mais voilà, je me demande si elles passent pas pour des clochardes en vrai. Tu sais, les femmes qui essayent d'en mettre plein la vue, Zama et tout. Mais bien sûr, excuse-moi de dire ça. Franchement, moi personnellement, hein, je marche pas avec de sac Louis Vuitton. Personnellement, ça m'a jamais attiré. Certes, c'est une marque de luxe, ils font des belles choses, mais enfin, voilà quoi. Surtout que ça a été banalisé. Maintenant, tu vois des gamines qui vont au collège avec des Louis Vuitton. Mais quand tu les vois, elles sont là avec des fausses Louboutin, Louis Vuitton, fer à lisser toute la journée, elles sont là, rouges à lèvres, patin couffin. Mais faut qu'elles arrêtent. Et cette image, elles sont en train de la donner à nos cousines du bled. Et nos cousines du bled sont en train de vouloir devenir comme elles. Si, c'est alors vrai, c'est tout à fait ça. Voilà. À l'époque, c'était les hommes qui faisaient ça, parce que moi, je m'en rappelle. Et jusqu'à maintenant, je descends deux fois par an au bled. Et pourtant, je suis mariée, j'ai mes enfants, mais j'ai besoin d'y retourner. Là, maintenant, les filles d'aujourd'hui qui vont au bled encore au jour d'aujourd'hui, c'est elles y vont parce que leurs parents, entre guillemets, veulent qu'elles viennent avec. Sinon, elles préfèrent partir en vacances avec leurs copines, partir en Thaïlande, partir en Turquie, partir... Vous le fréquentez, vous serez mariée, pourquoi vous voulez aller dans des destinations alors que vous avez votre bled? Mais écoute-moi bien, si ces gens-là vont dans ces destinations, mais regarde le profil de ces femmes qui vont là-bas. Qui vont en Thaïlande ou à Marrakech, c'est des putes. Oui, c'est des putes. Mais bien sûr. La vie de ma mère, elles ont de la puterie en elles. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu vas à Mykonos, t'es une pédale. Tu vas à Ibiza, t'es un mec bizarre. T'es une femme, tu vas à Marrakech ou tu vas. Si t'es pas marocaine ou si t'es pas. Même si Marrakech, le jour et la nuit, ça n'a rien à voir, la ville, le jour et la nuit. Mais il y a des destinations où voilà. La racaille, la Thaïlande, ils aiment bien aller là-bas. Parce qu'ils aiment bien les travelots. C'est tout. Mais bien sûr, mais maintenant, actuellement, eh ben, je parle pour les Algériennes encore une fois parce que je ne veux pas parler pour les autres. Moi, je le vois, j'y étais encore il y a 3 mois et je suis devenue folle. C'est pas possible. Tu te dis, elles veulent vivre à l'occidental. Sauf qu'il faut pas oublier que déjà elles sont en Algérie et que même nous en France, enfin après je parle pour une minorité, on ne veut pas de cette vie-là. Et en fait, c'est plus les hommes qui jettent la poudre aux yeux comme à l'époque, quand moi je m'en rappelle quand j'allais en Algérie, même maintenant, à l'époque, c'était plus les hommes, ils venaient, quad, jet ski, ils étaient là avec leurs sacoches, lunettes, les lunettes de vue, je sais pas si tu te rappelles, Cartier, que tous les rats de Lyon avaient, même s'ils n'avaient pas besoin de lunettes de vue, tout le monde avait ça, à l'époque, les lunettes de Cartier, ouais, bien sûr, je me rappelle, attends, c'est les mêmes lunettes que les clochardes de hijabeuses lycéennes qui mettent, tu sais, les grosses lunettes là, qui servent strictement à rien. Exactement. Ah, mais pourquoi? Parce qu'elles ont vu des Kim Kardashian, parce qu'elles ont vu des Kim Kardashian les porter. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, Kim Kardashian, déjà, c'est pas une musulmane, déjà, faut pas oublier ça. Et Kim Kardashian, elle s'est fait vendre par sa mère. Et c'est une image qu'elle donne. Donc faut arrêter, faut dire à ces meufs-là, il faut que... Quand je suis allée au bled, je suis devenue folle, je dis c'est pas possible. Moi j'étais avec ma vieille Gendora, je voyais mes cousines, elles savent pas dire un mot français, elles étaient là, elles étaient maquillées, hijab transparent et tout. Je commence à virer, je leur dis mais vous êtes sérieuse? Elle me dit ah non, nous on sort pas comme ça. Et moi j'étais là avec mon chignon et mon pantalon et mon legging et ma tunique par-dessus. Je dis mais c'est pas possible. Non mais faut pas, en France, c'est faut pas ça. Non plus, moi Salima, faut pas non plus faire les roms. Là je vois le frère Kamel qui nous dit... Moi, je vais rentrer en Q7 au bled. Mais frérot, rentre même en Mirage 2000. L'avion des Dassault rentre même avec Rabbi Zidek, frère. Dieu t'en rajoute. Moi, je te parle pas de ça, bien sûr. Moi-même, je suis un pélo comme toi. Si j'ai une petite famille, je rentre en Q7. T'es à 200 km/h, tu entends que... Tu vois un 4x4, t'es bien, avec ta petite familia derrière. Il n'y a pas de souci, frérot. Mais moi, je te parle de ceux qui pètent plus haut que leur cul. C'est ça dont je parle. Exactement. Tu sais,
Subhanallah, il y a 10 ans en arrière, j'étais pas encore mariée, je suis descendue au bled avec ma mère. J'étais descendue qu'avec ma mère, le reste de notre famille n'était pas venu. Et j'ai rencontré un gars de Lyon là-bas, et en fait, il m'avait reconnue parce qu'à l'époque, je travaillais en tant que, j'étais étudiante et je travaillais à la Part-Dieu. Ce gars-là, je l'ai connu au bled. C'était le gars, je me suis dit, ah, bah, il doit avoir une bonne situation, surtout que quand il nous parlait à nous là-bas au bled, il nous disait, ouais, je suis en plage, je travaille, il était plus âgé que moi. Je travaille, patin, couffin et tout. Je dis, ah, bah, c'est bien, certes, qu'il avait grosse voiture, vite teintée, il sortait des liasses de dinars comme ça. Les gens, ils diraient quand ils le voyaient. On est rentré à Lyon. Moi, j'ai repris mon poste parce que j'étais étudiante et tout. Je le recroise. Au fur et à mesure, c'est devenu un bon client du magasin où je travaillais. J'ai appris à le connaître. Il venait après avec ses sœurs et tout ça. Mais quand j'ai parlé avec sa famille, ils m'ont dit, mais quoi? Mais tu rigoles, Kader? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il est en alternance. Il n'a pas une thune. Il fait des locations et tout. Alors que là-bas, au bled, il se prenait pour un pacha. Mmh. Ouais, c'est, il était dans une chambre sur un lit superposé et qui... Et qu'est-ce que tu veux qu'ils croient, enfin, les gens du bled, ils vont croire quoi après? Après, c'est normal, c'est qu'ils, eux, ils veulent venir, ils croient que voilà, c'est l'Eldorado, ils veulent venir, ils veulent tenter leur chance. Mais combien ils sont venus, ils se sont brûlés ici, les pauvres, ils se sont retrouvés dans des foyers, Msekin, à manger à quatre sur un tabouret. Et encore, qui s'estiment heureux parce qu'en France, on mange et on dort. Dans exactement, d'autres pays, ça. Dans et d'autres pays, sûr, ça fait très mal. Exactement, c'est pour ça. Faut qu'ils arrêtent d'être là à se plaindre. Et puis en plus, c'est le pire, c'est que ces gens-là, c'est ceux qui dénigrent la France. Je suis algérienne et je suis fière de ce que je suis musulmane et je suis fière de ce que je suis. Mais faut pas oublier que la France, elle nous a beaucoup donné et qu'elle nous donne beaucoup encore au jour d'aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils sont les premiers à cracher sur la France. Mais tu les laisses une semaine au bled, hors vacances d'été, tu les laisses une semaine au bled, tu le retrouves par terre, les jambes, les bras autour de ses jambes en train de pleurer. Ouais, wallahi l'azim, moi, c'est vrai que. Oui, qui c'est qui a dit croyez-moi? Oui, d'accord, ça va, on peut se tromper, croire, putain. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est toi qui l'as dit, les Lyonnais. C'est toi qui l'as dit ou c'est moi qui l'ai dit? Je crois que c'est moi. D'accord, non, je crois que c'est moi. Smerli, il y a des gens là qui jouent aux chiffres et aux lettres. À minuit, j'ai envie de retourner le bureau, Zabi. Les hiboux perchés. Croyez du verbe croyez. Tu sais quoi? La putain. Bref. Non, mais c'est que surtout, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, venez passer les journées que je passe, je suis debout depuis 6h du matin, là, je viens de coucher mes filles, je suis en train d'attendre que ma machine à laver, elle termine, et après, on en reparlera si attends, eux, ils savent parler français. Abuse pas, tu vas pas nous dire... Tu savais écrire une lettre de motivation. Non, mais attends, excuse-moi, tu vas pas me dire aussi que tu fais des gâteaux du riz à 2h du matin pour avancer la Yéma. Quand même, voyons, abuse pas. Franchement, c'est la vérité. Pendant le ramadan, ça m'arrive que, bah, tu sais, parce que pendant le ramadan, t'es tout décalé. Et puis moi, vu que je prépare, parce que mon mari, il est en déplacement pendant le ramadan, enfin, il est tout le temps en déplacement. Donc pendant le ramadan, je lui prépare son fthor, la semaine, en fait. Mmh. À non, la semaine. Non, parce coup, que bah, le moi, soir, moi, Salima, ça me fait rire. Moi, Salima, ça me fait rire. Des fois, quand je suis connecté à 2h du matin, je dis aux gens, vous faites quoi? Il y en a toujours une avec un god dans le boule pour faire la pseudo halal, elle te dit je fais un gâteau, ou je fais des sphinges, ou je fais des mcénènes pour le matin. Mais après moi je vais pas m'aventurer dans ces choses-là. Non, je vais pas m'aventurer dans ces choses-là à 2h du matin, mais ça m'arrive à 2h du matin où je suis encore en train de faire des trucs. Regarde, là il est minuit, je suis en train d'attendre que ma machine à laver termine. Mmh. En tout cas, c'est bien que t'es économe comme fille, tu fais tourner la machine à laver le soir. Non, c'est pas que je suis économe, c'est juste que ma fille, elle s'est levée et elle m'a fait un carnage, donc du coup, j'ai été obligée de faire tourner une machine maintenant. Mmh. On dirait Wisteria Lane, t'as le bled. En tout cas, je reviens. Tu fais comme on a dit, dès que tu raccroches, t'essayes de chercher le groupe chronique de basse entre sœurs. Et tu vas le trouver. Donc, je le répète, hein, c'est un groupe imaginé par les femmes, dirigé par les femmes, publié par les femmes. Donc, les filles, moi, je suis pas dans ce groupe, hein, je me suis enlevé. Il y a mon nom dessus, c'est normal, j'ai fait les règles et tout. Si je vois un garçon là-bas, je ferme le groupe. Même un transsexuel, je ferme le groupe. Il n'y a pas de garçons qui vont là-bas. Crêpez-vous le chignon entre vous. Racontez-vous des histoires. Léchez-vous même la moule. On s'en bat les couilles. Mais juste n'oubliez pas qu'il y a une place qui est au-dessus. Non, mais je rigole. Tu vas publier chose, là-bas. Bien. Après, il faudrait vraiment qu'on reste entre nous. Que voilà, on fasse les choses entre nous. Et pas justement parce que les femmes, tu sais très bien comment c'est quand tu les mets entre elles.
c'est ça part tout de suite en cacahuète. Après, faut garder à l'esprit où voilà, c'est un groupe. C'est pas pour se faire une amitié à longue vie après la Wallem, hein, qui sait. Mais non, c'est plus mais un groupe pour se soutenir, oui, toutes ces choses-là. Non, dans un... Après, j'ai pas envie non plus que ça soit conchi que dans les prés. Machallah, ourti, machallah. Non, non, il y a des femmes qui vont se clasher, il y en a d'autres. On s'en fout, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Tant que c'est dans le même esprit chronique chez les hommes, enfin, chronique chez les hommes et les femmes, chez moi, tant que c'est la même chose, c'est-à-dire... On peut s'insulter, mais les deux mecs qui se sont clashés, eh ben, ils figurent dans une cagnotte litchi l'un après l'autre, machallah. Ça veut dire, ils savent Exactement. Faire la part des choses, ils savent faire la différence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Oui, oui, après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui se passe là-bas ne me regarde pas. Ce qui se passe là-bas ne me regarde pas. L'important, c'est que, crois-moi, il y a des femmes qui vont bouger pour toi, je te le garantis. Va juste là-bas, tu publies, et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Classe. En tout cas, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Prends soin de toi, et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Voici le maricou. Toi aussi, à plus tard, Inch'Allah. Barakallah. Oufik baraka. Dernier appel. Après, on arrête. Allô? Arrête. Allô? 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 Bon, je vois que je sais pas ce qu'il a, le grand, là. Pas grave, on va en prendre un autre. Allô? Allô, ça coûte. Ah. Allô, salam alaikum. Salam, ça va? Bien, et toi, tu peux parler un peu plus fort, frérot? Ouais, tu m'entends? Ouais, vas-y, je t'entends. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais. Je t'écoute. C'est Archie qui tendit sur ton. Non, encore toi. Comment ça se fait que t'arrives à m'avoir et tout? Plein de fois. T'as vu ça? Hein, frérot, machin là. T'as vu quoi? Comment se fait-il? Alors qu'il y en a, ils appellent 300 fois, ils n'y arrivent pas, le Sekin. Ça va, alhamdoulilah, frérot. Je t'écoute. Ouais, alhamdoulilah. Eh, hey, faut qu'on parle des pseudo-riches au bled de l'été, voilà. Eh ben, vas-y, raconte-nous un peu, ton si, frérot. Moi, je pense, voilà, je pense qu'ils sont responsables de beaucoup de choses. Oh, répète pas mes phrases où il y a les cordes de la Méditerranée qui flottent. C'est à cause de nous qui traversent non, la Méditerranée. Non, j'allais pas dire ça. Mm. Non, je pensais qu'ils sont... Tu sais, ils sont... Ouais, déjà ça, tu vois, c'est... Voilà, c'est grave, voilà, c'est chaud quand même. C'est tout ce que tu voulais nous dire, frérot? Voilà, c'est chaud. L'autre, il me dit, c'est chaud. Non, on sait non, que mais... c'est chaud. On sait que c'est Sroun. On le sait, frérot, ça. On l'a dit. Non, tranquille, il faut juste qu'on garde l'humilité pour finir avec toi. Hein. Faut juste qu'on garde notre humilité. D'un autre côté, on a le droit d'en profiter. Mais essayons d'en profiter en sous-marin quand même. Quand t'es dans une ville, quand t'es dans une zone touristique, claque tout l'argent que tu veux, tu te fondras dans la masse finalement. Mais quand tu rentres dans ton village, wallah, viens juste avec tes valises à carreaux, les sacs de la rate là, remplis de brosses à dents, remplis de trucs bien pour les savons, les shampoings pour la famille, emmène des soutifs de babou du marché pour tes cousines, là-bas qu'ils ont rien, emmène, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas dans des zones touristiques, tu peux claquer à la bien. Voilà, frérot. Ouais, voilà. C'est bon? Et aussi, je voulais dire, c'est le mec là avec le sandwich au thon. Ouais. Ben, voilà que c'est eux qui ont économisé toute l'année, c'est pince. Et qui vont frimer au bled, c'est les premiers à partir en vacances, voilà. Invite-le-moi, lui, un jour. Lui, j'aimerais bien le voir, lui, un jour. Celui qui rentre quoi, d'ailleurs, dans d'ailleurs, les Grecs avec un sandwich au thon. Et d'ailleurs, voilà, j'ai retrouvé la vidéo. J'ai retrouvé le snap. Mon sahab, il l'a enregistré. Voilà, je vais te l'envoyer. Envoie-le en PV, vas-y, aucun problème. On va se faire un plaisir, tiens. Ouais, ça va, c'est... En tout cas, frérot, vas-y, aucun problème. Tu m'envoies tout ça, tu me parles en privé, Inch'Allah. On se dit à plus tard, frère. Bah, ça marche, salam alaikum. C'est Younes Ben, mon privé. Salam, frère. Bien, très bien. Il spin in Berliner. Très bien. Bon, c'est la chronique. Hein. On n'a rien respecté. On n'a pas respecté le débat. Ça part dans tous les sens. Ça part en couille. C'est ce qui fait le charme de la chronique. Prenez soin de vous, de vos familles. Barbecue samedi chronique, Inch'Allah. Demain, je relance la liste. Les gens qui j'ai invités, j'ai fait des pré-invitations, qui viennent me voir, qui confirment. Si jeudi, j'ai pas de nouvelles, ils seront remplacés automatiquement. Prenez soin de vous, de vos familles, restez branchés, restez connectés. Chronique de base. Et ouais, les frères.